Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast. Cette semaine, un épisode très spécial pour moi, très important pour moi. Je reçois le philosophe Alain Deneau. Et vous allez voir, j'étais quand même, j'étais nerveux. Il m'a demandé de le tutoyer, puis je n'étais pas capable. Je le voyais tout le long parce que j'ai un énorme respect pour son travail. Et c'est extrêmement intéressant. Il ne m'a pas déçu du tout. Vous allez voir, c'est le podcast où je dis oui, tout le long parce que, je veux dire, je respectais sa pensée, puis je l'écoutais, puis j'étais fasciné. Donc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode-là. C'est vraiment un épisode de... important pour moi et important pour lui aussi, je pense, parce qu'il essaie d'aller dans plusieurs milieux, essaie de réveiller les gens sur plusieurs trucs. Fait que c'était important pour lui de le faire à vous, les fans de ce podcast-là. Fait que après, j'espère que vous allez avoir du fun à écouter ça. Avant d'aller voir le podcast, je vous rappelle qu'il y a le Patreon aussi, si vous voulez encourager ce genre de podcast-là, que ce genre de contenu-là. C'est quand même compliqué de faire toutes ces affaires-là. Faut que ça soit professionnel, recevoir des gens comme Alain Deneau. On fait pas ça tout croche là, sur le coin d'une table, donc on a besoin de matériel de qualité. Donc c'est important de s'abonner au Patreon. Et sinon, je rappelle que je suis en tournée avec mon spectacle Du cœur au ventre. Donc, on va écouter Alain Deneau. Let's go. Alain Deneau, bienvenue à mon podcast. C'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir. En fait, on peut se tutoyer. C'est un honneur de te recevoir. Moi, je suis un peu nerveux, en fait. Moi, recevoir Céline Dion, je serais comme même pas nerveux, mais toi, ça m'énerve quand même un peu. En fait, ce serait ça ma première question. Je lui ai demandé de participer à mon podcast, puis vous avez accepté tout de suite. Puis je me suis dit, j'étais surpris parce que j'ai réalisé que finalement, vous... En fait, toi, tu vas dans... Je vous ai vu au Souverain, l'émission Les Souverains avec les détenus. Vous allez à toutes sortes de plateformes assez diverses, marginales finalement même. Là. Est-ce que c'est un devoir que vous vous donnez? C'est drôle, je me pose pas tout à fait la question, mais s'il s'agit de rattacher ça à une problématique, j'aime beaucoup chez Antonio Gramsci l'idée que la philosophie, y compris la philosophie politique, et sur un mode peut-être dérivé, on pourrait dire l'essai, puis bon, la pensée critique, n'est pas facile au sens où elle relève vraiment d'un travail, mais elle s'adresse à toutes les intelligences. Ouais. C'est-à-dire qu'on est tous à même de... penser conceptuellement, même si certaines personnes consacrent leur vie à élaborer des concepts, ce qui prend plus de temps que de les écouter, d'en prendre connaissance et ensuite de les adopter ou pas, ouais. Un titre ou un autre. Mais il est entendu qu'il y a une place pour la pensée conceptuelle et critique qui est... en adéquation avec la place publique. Ouais. Il n'y a pas des cénacles isolés où on pratiquerait mieux qu'ailleurs la pensée. Bon, et donc, du coup, quand je trouvais la proposition tout simplement sympathique, et sans plus de réflexion, j'ai dit oui, puisqu'elle participe aussi à, j'imagine, à partager des discussions, des idées, des discours au-delà des circuits habituels. Ouais. Je pense que c'est une belle initiative. Est-ce que tu as. Ouais, merci, c'est gentil. Est-ce que tu penses que c'est le rôle d'un philosophe à quelque part d'aller vulgariser ses idées, de pas juste rester entre universitaire dans un langage assez difficile et difficile d'accès? En fait, je remarque que souvent votre travail, c'est ancré dans la vie des gens. Là, ça a un impact réel sur la vie des gens, que ce soit les grosses multinationales, les paradis fiscaux, la médiocratie. Tout ça, pour moi, c'est de la philosophie qui parle aux gens. En tout cas, ça me parle à moi directement. Mm-hmm. Je me sens interpellé dans ce temps-là. Est-ce que c'est une lignée que vous avez, que vous essayez de rester connecté avec les gens? Ouais, je pense pas vulgariser. Vous n'aimez pas le mot? J'ai rien contre, simplement que je m'y reconnais pas. Je pense que des gens font de la vulgarisation, et c'est très bien ainsi. La vulgarisation, me semble-t-il, consiste à établir une ligne à partir de laquelle le commun ne comprendra pas.
Moi, je comprends des choses. Le commun n'y a pas accès. Donc, je vais parler pour le commun. Ouais, soit baisser le niveau, changer de vocabulaire, parler. Bon. Alors que, bon, il y a des domaines comme la physique quantique, ouais. La biologie moléculaire, où, oui, peut-être qu'on peut s'attendre à ce que des gens qui se trouvent à faire des recherches extrêmement pointues et très codifiées, à un moment donné, traduisent pour le commun, mm-hmm. et aient la responsabilité d'établir une ligne à partir de laquelle on estime que le commun ne suivra plus. Donc, c'est une responsabilité. Moi, je n'estime pas faire ça. Je le dénigre pas. C'est ouais. simplement que j'estime, et c'est le propre, je dirais, de l'essai, qui est un genre, pour moi, tout à fait pertinent et respectable, évidemment, et qui ne mérite pas l'espèce de diffamation dont il fait l'objet, notamment par les universitaires, ah ouais? qui souvent seraient bien incapables d'écrire un essai, ah ouais, qui se cantonnent dans le style aride et souvent insignifiant de l'écriture dite scientifique. Mm-hmm. Ça, c'est un autre débat. Mais l'essai, et c'est vrai chez Jacques Monod, c'est vrai chez Noam Chomsky, je veux dire, c'est vrai chez Annie Lebrun, c'est vrai chez plusieurs auteurs, l'essai consiste à penser un enjeu, une problématique, de manière à alimenter la pensée autant de l'initié que du profane. C'est-à-dire qu'on on développe une réflexion qui résonne sur plusieurs strates. Si on pense à la question des paradis fiscaux, ouais. bon, ben, le commun peut dire, moi, je paie des impôts, mais il me semble que j'en paie beaucoup. Il me semble que c'est étrange, j'en paie, c'est selon l'âge que j'ai depuis des années, voire des décennies. Et puis, pourtant, les services publics sont toujours de moins en moins bons. Ouais. Je ne sais pas trop où va cet argent-là et comment ça se fait qu'il y en a toujours moins alors qu'on donne toujours autant, voire plus. Et on comprend, parce que ce n'est pas compliqué à comprendre dans le... au fond, dans le détail, dire dans le principe que à côté il y en a qui ont accès à des échappatoires, tu vois, c'est-à-dire ouais. que eux ont accès, plus ils sont riches paradoxalement, plus ils ont accès à des canaux pour éviter de faire face à l'autorité contraignante qui est l'agence fiscale qui moi exige que je paie mon dû. Bon, pas compliqué. Mais ensuite, si on est philosophe, si on est sociologue, si on est anthropologue, si on est réalisateur au cinéma, si on est fiscaliste, on peut acquérir de cette réflexion-là, qui est documentée historiquement, qui repasse par certains concepts de la pensée politique, des éléments qui nous nourrissent dans le cadre de son travail. Et j'avais été surpris une fois, justement, je dis oui souvent assez allègrement à des invitations, puis on m'avait invité à parler à Québec des paradis fiscaux, j'ai dit « fort bien, c'est un syndicat, bon, fort bien ». Et là, j'arrive là, j'apprends que c'est le syndicat des employés du fisc canadien qui voulaient que je leur parle des paradis fiscaux. Là, je leur disais, c'est le monde à l'envers, je leur apprendrai rien. C'est eux les experts. Ah ouais. Mais non, parce que, bon, moi, je proviens du champ de la philosophie et des sciences humaines, disons, et j'ai une façon conceptuelle et historique hein, de problématiser l'enjeu qui fait qu'eux avaient de quoi se nourrir quant à leur démarche qui est plutôt technique. Ouais. Bon, en même temps que je peux aller voir des cégepiens, des gens du monde associatif pour leur parler des mêmes enjeux à peu près dans les mêmes termes. Et c'est là où je pense que l'essai fait œuvre. Hein, c'est quand il nourrit un débat en tant qu'il appartient au commun. C'est-à-dire qu'en tant qu'il s'inscrit dans ce régime de pensée qui est celui de tout le monde et qui est celui, finalement, de la démocratie. Ouais. La démocratie étant la reconnaissance de l'intelligence en tant qu'elle est donnée en partage. Nous sommes tous capables d'intelligence. Et la politique, comme disait Jacques Rancière, hein, c'est le régime de pensée qui ne relève d'aucune compétence spécifique. Toutes les compétences sont bienvenues pour penser sur le plan de la politique, si on est démocrate, hein, les enjeux du commun. Qu'on ouais. soit ménager, éboueur, restaurateur, comptable, architecte, poète, il y aura un moment où la pensée s'inscrit sur un régime
qui appartient à la pensée commune, quoi. Aucune compétence spécifique n'est plus à même, au fond, de prétendre à une sorte de hiérarchie de la compréhension, quoi. Bon, on est venu à penser qu'en fait, qu'on n'avait pas vraiment notre rapport dans la société, tu sais, qu'il y avait des gens qui pensaient pour nous, qui pensaient le système pour nous, au-dessus de nous, puis géraient ça, puis que nous autres, finalement, ce qu'on pouvait apporter, on peut pas apporter grand-chose parce qu'on n'est pas qualifié, on n'a pas de diplôme, on n'est pas assez intelligent, et tout ça. On dirait qu'on vient à intégrer ça aussi, puis qu'on participe pas au débat commun, j'ai l'impression, tu sais. C'est une forme d'aliénation, de dire la fiscalité, touchez pas à ça, prenez même pas une seconde pour y penser, ça vous regarde pas, si vous payez vos impôts, puis plaignez-vous si vous n'êtes pas content des services que vous recevez, mais le reste vous échappe inexorablement. Puis c'est la même chose, même dans le monde, dans tout ce qui concerne ce qu'on appelle... d'une manière pathétique, la gouvernance. Le discours subliminal, la gouvernance, c'est de dire gérer, administrer d'une manière responsable suppose une expertise. Donc, vous voulez, par exemple, créer une revue littéraire ou je ne sais pas, moi, créer une compagnie de théâtre ou bien créer, par exemple, une structure qui va faire... qui va présenter des quartiers de Montréal sur un mode paratouristique ou contre-touristique ou critique ou historique. Bon. Vous avez besoin, évidemment, d'administrateurs, de gens qui travaillent dans le domaine bancaire, dans le domaine du droit, dans le domaine de l'administration, pour pouvoir gérer ça, parce que vous êtes incapables. Et eux ont une science, qui est une science de la gouvernance, une science de la gestion, où ils vont gérer des objets qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils n'ont jamais lu une revue littéraire de leur vie, ils n'ont jamais assisté à une pièce de théâtre de leur vie, ou s'ils l'ont fait, c'est à l'école. Et là, tout d'un coup, eux, ils se présentent comme ayant une science, un savoir qui serait... qui relèverait d'un monopole, le leur. Il est temps de considérer tout ce qui relève de la politique au sens démocratique, c'est-à-dire de tout cet ensemble d'enjeux qui relève d'une pensée donnée en partage. Oui, je vous ai lu sur... vous avez parlé un peu de tirage au sort. Je pense que vous êtes un fan de tirage au sort. J'ai entendu parler d'une espèce de Sénat qui aurait contre-pouvoir. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Moi, je trouve ça vraiment une belle idée, parce que, tu sais, des fois, on nous demande tout le temps, mais c'est quoi l'alternative? Comment qu'on peut avoir une démocratie un peu plus démocratique, finalement? Puis ça, je trouve que c'est une belle idée concrète qui pourrait se réaliser assez facilement. Oui, un bon livre du Goubonnet sur le sujet. Bon, moi, je suis pas le plus farouche partisan du tirage au sort, au sens où je comprends qu'il y a des us et coutumes en politique... qui serait utopique et de penser tout chambarder d'un coup. Et de toute façon, on sent bien qu'il n'y a pas de réception pour ça. Donc, j'en suis plus dans une logique de compromis sur ce point-là. Et il s'agit effectivement de considérer le tirage au sort, encore une fois, notamment Rentière qui en parle, comme étant ce qui s'approche le plus d'un régime qu'on pourrait qualifier de démocratique. Bon. La démocratie, c'est pas un régime, en fait, c'est un principe. Un principe qui reconnaît ces deux choses dont j'ai parlé, là, le partage des intelligences et le fait qu'il y a des questions qui ne relèvent pas d'une compétence propre. Je donne trois exemples que je donne souvent qui sont pratiques. Envoyer des militaires en Afghanistan, construire un pont, enseigner l'histoire à l'école primaire. Bon. Moi, je préfère m'imaginer que si on envoie des militaires en Afghanistan, on confie la chose à des généraux, à des stratèges, et pas à n'importe qui. Si on construit un pont, j'espère que ce soit des ingénieurs qui s'en occupent, plus que n'importe qui. Puis c'est aussi, si on enseigne l'histoire, je préférerais que ce soit des intellectuels qui le fassent. Point de tirage au sort pour ça. Bon, exactement. Là, il y a des compétences spécifiques. Mais délibérer. À savoir, si on envoie les militaires, si on construit un pont, si on enseigne une histoire, c'est l'affaire de tout le monde. Et il y a un moment où ces réflexions-là touchent à, tout simplement dire, la pensée. La pensée en tant que tout le monde est capable de s'y essayer, du point de vue qui est le sien. Et
Et donc, le tirage au sort encourage cela, ne serait-ce que par la reconnaissance de ce principe. On reconnaît ce principe, on l'institutionnalise en disant, au fond, il y a des questions qui sont de l'ordre de la pensée en tant que tout le monde en est capable. Bon, à un titre ou à un autre, en tant que ce qui est à penser concerne tout le monde aussi. T'sais, tout le monde est concerné quand on envoie des militaires construire un pont. Mm-hmm. Même si on n'a pas de voiture, s'il y a un pont près de chez soi, ça change la vie de quartier. Bon. Je n'irai pas jusqu'à citer explicitement le cas de Québec et de Lévis. Mais bon, on voit que c'est des enjeux qui concernent tout le monde. Ouais, bon, ouais. Bon. Et donc, souvent, la réaction, c'est de dire « imaginez le tirage au sort! » Les gens sont trop stupides. On pourrait voter pour des gens qui vont à Paris puis qui nous font honte parce qu'ils citent des artistes qu'ils n'ont jamais écoutés. on pourrait voter pour des gens qui ont un discours totalement rétrograde sur l'immigration. On pourrait voter pour des gens qui ne savent pas s'exprimer. C'est déjà ce qu'on fait. Mais bien sûr! Pourquoi? Parce que, nous dit encore une fois Rancière, la seule compétence qui est favorisée dans notre régime qui est électoral, c'est la capacité à prendre le pouvoir sur le mode de la séduction, sur le mode du trafic d'influence. Mm-hmm. Les puissants qui sont capables d'organiser, voir un contexte qui favorise une élection plutôt qu'une autre. Et donc, cette compétence spécifique-là entraîne l'accès au pouvoir de gens qui, par ailleurs, n'ont pas plus de compétences que n'importe qui. Ben oui. Venez pas me dire qu'à part une capacité de séduire, quoi que ce soit d'autre a pu expliquer que Denis Coderre soit maire de Montréal. et en fait, ce que dit Rancière, c'est que si on votait au sort pour une assemblée, il n'y aurait aucune raison, en effet, de penser que l'assemblée serait plus compétente que si on élit des gens par la voie électorale. Mais il n'y a aucune raison de penser que cette assemblée-là serait moins compétente. Mm-hmm. Pourquoi serait-elle moins compétente que ceux qui, je ne vais pas les embarrasser au point de les nommer tous, mais ceux qui peuvent nous diriger aujourd'hui? Pourquoi on serait moins compétent que Doug Ford? Pourquoi on serait moins compétent que François Legault, qui, à part de l'argent, ça, n'a rien? Quoi, bon. Donc, l'idée, mais ensuite, il y a des gens qui, par ailleurs, et puis c'est pas des gens bêtes, là, c'est simplement un débat, là, c'est-à-dire qu'ils vont dire, je respecte cette position-là, que le rituel électoral a ses vertus, qu'il mobilise l'opinion, qu'il rappelle aux gens le lien qu'ils ont aux institutions publiques, leurs responsabilités, et que c'est peut-être comme ça qu'on peut aussi organiser. Bon, moi, j'y crois à moitié, j'y crois de moins en moins, quoi. Mais je comprends que cette position-là, on ne peut pas imposer le tirage au sort, c'est complètement sur un mode autocrate, quoi. Ouais, non, je comprends. Donc, là où j'en suis, c'est de me dire, déjà, pour contrer ces positions-là, tout en étant quand même, en faisant avancer l'objet, là, ce serait de dire, au moins, puisqu'on en parle ces années-ci, faisons en sorte que les sénateurs soient tirés au sort. Donc, on aurait un régime à deux qui respecterait les deux principes. D'une part, on voterait pour des partis qui multiplient des promesses électorales comme ça, un peu volatiles pendant une campagne électorale, prennent des photos, font toutes sortes de sourires, des simagrées, des facéties, d'une joute comme ça qui est souvent assez pitoyable. Et ils se font élire. Et là, il y aurait, par contre, un vrai Sénat. Ben c'est pas inutile, un Sénat. Ce qui est inutile, c'est un Sénat quand on en fait l'hospice des amis du parti. Mais je veux dire, si on veut, on peut voir le Sénat comme une vraie instance. Mais en France, par exemple, il y a d'autres problèmes. Mais le Sénat existe. Mais il a vraiment une existence. Et ici, c'est pas le cas du tout. Ici, c'est une farce. Ouais. Bon, mais là, on pourrait avoir un Sénat. N'importe qui est élu. N'importe qui. Un tirage au sort. Par représentativité régionale. Là, okay. On crée des barèmes. Et là, on élit n'importe qui. Qui pourrait dire, et ce serait des gens, il y aurait deux vertus à ça. D'une part, les gens seraient à même qui sont dans ce processus-là, seraient à même d'étudier des projets de loi, de convoquer des ministres, de créer des commissions parlementaires, enfin sénatoriales, on dirait sénatoriales, alors pour se faire une idée sur une question, mesurer aussi le projet de loi à l'aune des promesses électorales.
Hein, tu sais, la tronçonneuse de Philippe Couillard, là, on pourrait toujours dire, mais vous ne l'avez pas annoncé dans votre programme, ça. Nous, les sénateurs, les sénatrices, on dit non. Donc, aussi permettre à des gens qui ne seraient jamais élus parce qu'ils ne sont pas beaux physiquement, parce que ça ne leur tente pas, parce qu'ils ont un métier qui ne leur permet pas vraiment de faire une campagne, tout d'un coup d'être aux commandes. Quand vous marchez dans la rue ici, il n'y a même pas 1% des gens qui s'imaginent un jour être député. Mais là, ça prête tout le monde. Et des gens, ils comme un jury, gens... finalement. Oui, exactement, sur le mode du jury. Il y a eu dans l'histoire des formes de tirage au sort, notamment celle-là qui est très connue. Donc, il reste ça. Et aussi, on pourrait contrecarrer l'idée que, imaginez, on tire au sort de ça, d'une assemblée complètement irresponsable qui, tout d'un coup, donne de l'argent à Bombardier. Ou de, bon, ça serait complètement terrible. Bon, ça ne peut pas être pire, c'est ça. Non, on pourrait toujours dire, mais le Sénat n'a pas de pouvoir législatif. Le Sénat, par définition, la Chambre haute, est là pour contre-signer des projets de loi. Elle n'est pas là pour en élaborer. Elle ne peut pas élaborer. Ouais, donc là, du coup, on ne pourrait pas nous dire ça. On aurait simplement des gens qui représentent la conscience commune et qui étudient les projets de loi. Et la dernière vertu à ça, à cette perspective-là, c'est de lier les gens à l'activité politique de manière concrète, pas simplement d'une manière aliénée ou idéologique. Mais là, tout d'un coup, évidemment que statistiquement, l'immense majorité de nos concitoyens et de concitoyens ne seraient jamais convoqués d'une loi du nombre. Mais néanmoins, on saurait qu'à tout moment, ça peut être nous. Et comme ça peut être nous, on se dit « mais qu'est-ce que je ferais, moi ?» C'est ça. On se sent quand même plus lié que si on se dit « c'est des pourris, je ne vais pas voter pour eux, ils nous mentent tout le temps, on ne sait pas d'où ils viennent. » De toute façon, les ministères clés sont toujours occupés par les mêmes. Hein. C'est toujours des gens des HEC, de Bay Street à Toronto, des facultés de droit, des grands cabinets d'avocats. C'est toute la même caste, quoi. C'est une caste de bourgeois. Et là, ce sera un contre-pouvoir. Et c'est justement parce que ce sera un contre-pouvoir qu'il n'y a personne qui milite pour cette idée-là au sein de l'establishment aujourd'hui. Je trouve que c'est une belle idée. Moi, c'est ça, les gens se sentiraient investis. Mais en même temps, il n'y a pas Est-ce que ça fait l'affaire des gens quelque part de d'élire quelqu'un, se déresponsabiliser, tout ce qui va arriver ce sera pas de mon ressort. Moi j'ai fait mon petit X, j'ai voté, ça c'est fait. Puis après ça, si ça s'écroule, ben je veux dire, moi j'ai fait mon devoir. Est-ce que vous avez l'impression que les gens finalement ont pas tant envie de démocratie que ça? S'il y avait vraiment envie, ce serait peut-être plus ça brasserait un peu plus. C'est par vague. Paul Venn, l'historien français qui a travaillé beaucoup sur le monde grec et romain, parle en ces termes-là dans son gros livre, Le pain et le cirque. Bon, au fond, ça fait l'affaire des gens de se laisser administrer, puis ça fait l'affaire des administrants d'avoir une population qui concède le pouvoir. Quoi. Mais il y a quand même un rapport de force au moins latent. Et par vague, par épisode, dans l'histoire, à un moment donné, tout d'un coup, les citoyens se réveillent. Ils se disent, j'aurais peut-être intérêt à lorgner du côté de ce que font ceux qui parlent en mon nom, ceux qui ont une autorité sur moi, ceux qui quand même élaborent les lois, c'est pas rien. Ceux qui pactisent avec les puissants, ceux qui accordent des passe-droits aux très puissants et qui écrabouillent ou négligent les très faibles et qui stressent ceux qui sont entre les deux. Sur un plan fiscal, c'est spectaculaire de voir que toutes les révolutions, tous les soulèvements, toutes les révoltes, jusqu'au mouvement Occupy et puis à la grève étudiante de 2012, a quelque chose à voir avec la fiscalité, avec les finances publiques, avec la façon d'allouer les fonds entre le secteur privé et le secteur public. Il y a toujours un enjeu finalement comptable en politique et dans l'action politique depuis la Révolution américaine. No taxation without representation, jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que les paradis fiscaux, par exemple, peuvent être un motif de soulèvement du même ordre. Quand on apprend que Google, Uber, Amazon, Netflix... paye pas de taxes, que ces sociétés minières canadiennes se voient subventionner, voient leurs actionnaires subventionnés par l'État pour spéculer, quand on voit les canaux que le Canada a créés pour favoriser l'évitement fiscal sur un plan légal, une escroquerie légalisée à l'avantage des plus riches, mais on est en...
Quand on en aura assez de la moisissure dans les écoles, les coupures de services, puis de tout le dysfonctionnement du secteur public, on va peut-être se fâcher, peut-être comprendre qu'on a intérêt à considérer l'importance qu'il y a à se donner une sorte de grand pot, hein, qui est le trésor public, hein, qui nous rend plus riches que si on a l'argent dans notre poche. Hein. Un dollar dans ce pot-là nous rend plus riches que si on l'a dans notre poche, hein, si on sait l'administrer, puis ça aussi, il faut veiller au grain. Hein, qu'en votant pour des insignifiants parce qu'un jour ils ont créé une société aérienne puis ils sont devenus millionnaires. Il faudrait effectivement. Ouais. Et ça se passe, je dirais, par à-coup. Souvent, ça se passe trop tard et ça se passe mal. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a rien n'est fait pour, évidemment, pour favoriser cet engagement-là. Et si je peux me permettre un dernier mot sur cette question-là, ce qui m'attriste, moi, c'est de voir qu'au fond, et je la comprends, cette attitude-là. Il s'agit de l'analyser. Il ne s'agit pas de jeter le blâme ou d'être moraliste, de donner des leçons. Mais ce que je constate, c'est qu'au fond, pour le commun, tendanciellement, parce que ce n'est pas un absolu ce que je dis, mais tendanciellement, pour le commun, au fond, quand on a eu notre journée de travail, on s'occupe des enfants, c'est sûr, on a nos charges, ainsi de suite. Au fond, d'un point de vue fantasmagorique, il serait tellement plus simple que l'idéologie, qui est le pouvoir, le discours des puissants, disent le vrai. Oui, oui, oui. Il serait tellement plus simple, au fond, que la petite ritournelle idéologique qu'on nous sert à la radio, à la télé, partout, hein, qu'on nous présente, au fond, comme le discours traduisant l'ordre du monde, la marche de l'histoire, ainsi de suite, les grands courants du réel, que ce soit vrai, que ce soit vrai, au fond, que tout ce qui compte dans la vie, c'est de se donner un certain nombre d'outils et de compétences pour pouvoir compétitionner sur le marché du travail, pour devenir une ressource humaine, pour pouvoir se vendre au plus offrant, pour pouvoir ensuite avoir un petit pouvoir d'achat, pour pouvoir aller à Cuba pour s'acheter une voiture rouge, puis avoir des REER, et que tout ça va fonctionner malgré dire, l'effondrement qui s'annonce sur un plan écologique, avec dire, le fait qu'on perd une forêt sur l'équivalent d'une Belgique en forêt par année dans le monde, que le désert avance à coups de kilomètres et de kilomètres, que les glaciers fondent, que le niveau d'eau monte, que les abeilles disparaissent. Il y a des pays en Occident où 80% des individus d'espèces animales, du point de vue des insectes, disparaissent. C'est terrible pour l'agriculture. Oui, c'est alarmant. Ouais, ouais. Mais on voudrait donc que la petite ritournelle idéologique dise le vrai parce qu'elle nous ment pour nous rassurer, pour pas qu'on s'en occupe, pour pas qu'on modifie quoi que ce soit au rapport instauré socialement qui profite aux grands intérêts. Donc, il y a comme une sorte de... Il y a comme une sorte d'attitude plus facile, pour ne pas dire parfois paresseuse, du point de vue de la citoyenneté, qui consiste à se dire, faisons comme si l'idéologie disait le vrai, parce que sinon... je finis là-dessus. Parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez dur sur l'orgueil. Sinon, ça veut dire, hey, ça fait des années, moi, que je suis un ego. Ça fait des années qu'on ment. Ça fait des années qu'on m'entourloupe. Alain Dubuc, au fond... C'est un rhéteur, c'est un sophiste. Je le lis, je le crois depuis des années, mais il fait simplement... Je ne sais pas s'il me ment consciemment. En tout cas, il est la courroie de transmission de l'idéologie dominante au bénéfice des plus puissants. Bon, mais j'aurais dû, la première fois que j'ai entendu, rire et puis déchirer tout ça, plutôt que de suivre au pas cette espèce de... ce rhéteur. Bon, à titre d'exemple... et puis en plus, moi je me fais embobiner, mais si je romps avec ce discours-là, qu'est-ce que je fais? Comment je parle à mes amis? Qu'est-ce que c'est je dis à ma famille? Comment j'agis? Quelle responsabilité inouïe je développe? Et puis quel lien je noue avec qui? Et donc, moi je trouve ça absolument passionnant. Hein? Moi ça me dérange pas de penser comme ça et de me dire tout ce que je viens de dire. Mais, il y en a pour qui c'est une montagne. Oui, parce que surtout si on a une hypothèque puis des dettes, si on est complètement engagé du point de vue de l'employé, de l'emploi. Dans les rouages des pouvoirs institués, les organisations privées, les grandes industries, la haute finance, les pouvoirs politiques sont à leur solde, c'est très difficile de se dire, je fais comme ce que dit René Descartes, là, je me départis de tous mes préjugés, puis j'entame une vie sur des bases presque fondées. On va mettre le cruise control, puis on laisse ça aller. Oui, bon, sort quand même. Mais c'est sortir, faire un pas de côté, puis amorcer complètement autre chose du point de vue de la pensée, de l'organisation, des raisonnements, des liens sociaux, et ainsi de suite, forcément à la marge, ça peut sembler intimidant. Ouais. Cependant, il faut simplement se dire que si on ne le choisit pas, on va le subir. Ouais. Parce que ce régime-là n'est pas voué à durer. Ouais, ouais. En fait, comment qu'on fait? Ça, c'est une question que je me posais
Comment tu fais, toi, pour dénoncer ça, pour alerter les gens, pour alarmer les gens, quelque part, sans les insulter, justement? C'est difficile, tu sais. Justement, tu te fais un peu traiter de niaiseux que toutes ces années-là, finalement, t'as cru à peu près n'importe quoi. Puis quand les gens, ils se sentent insultés, ben, tu sais, ils se referment complètement, puis ils ont pas envie ils ont pas envie d'entendre ça. Je sais pas de quelle manière on peut aller avoir de la compassion pour eux, à quelque part, parce que c'est pas nécessairement de leur faute s'ils sont aliénés dans ce système-là ou comment on fait? Moi, tous, non, mais ce qui m'intéresse dans l'idéologie, Isabelle Garraud a fait un très bon livre là-dessus, La pensée embarquée. Dans l'idéologie, c'est de voir que l'idéologie, c'est pas simplement un abus de type rhétorique, c'est pas simplement une sorte de vernis discursif qui vient couvrir quelque chose qui procéderait de selon des fonctionnements tout à fait spécifiques et dissimulés. L'idéologie, au contraire, nous donne accès au fonctionnement même des organisations de pouvoir. Et au fond, l'idéologie... L'idéologie, c'est vraiment le discours des organisations de pouvoir. L'idéologie, c'est de nous dire, au fond, que ce que je disais tout à l'heure, quoi, il faut se rendre intéressant sur le marché du travail, les entreprises créent de la richesse. Par exemple, ça, c'est l'idéologie. On ne dit pas qu'elle fonctionne, la richesse, parce qu'il y a le plus l'ordre des rapports historiques vérifiables. Non, on dit, ah, voilà, les démarrés créent de l'emploi. Bon, plutôt que de dire, ben, on a organisé un système pour leur permettre de ponctionner la richesse que génère le salariat. On n'est pas capable de penser comme ça. Enfin, on fait semblant qu'on n'est pas capable. Bon. Alors, on est dans un rapport comme ça où les choses sont dites pour, en quelque sorte, codifier à l'avantage des puissants, des classes dirigeantes, l'organisation du réel, et en indiquant au commun comment, selon où on est, espérer en tirer un petit bénéfice. Un bénéfice petit, mesquin même, mais quand même. Tu sais, ben voilà, si vous pensez comme ça, si vous utilisez tel mot, si vous utilisez tel vocabulaire, si vous embottez le pas dans telle rationalisation, ben là, vous aurez plus de chances d'avoir un petit salaire au bout que si vous dites autrement. Ouais, c'est ça. Et c'est pas évident de le percevoir, ça, quand il y a quelque chose d'atavique, là, quand on est dans une société qui, déjà, à notre naissance, parle comme ça, puis on est biberonné à ça, puis à l'école primaire, déjà, on nous inculque ces concepts-là, puis ça continue au secondaire, puis la famille pense comme ça, puis on regarde les médias. Ça remet en question beaucoup de gens. Non, c'est vraiment à la marge là, qu'on arrive à trouver des espaces pour développer un autre discours. Mais il arrivera un moment où le mal... Moi, je crois beaucoup en ça. Le malaise sera-t-il qu'on sera appelé à mettre en doute, d'une part, le discours idéologique et à chercher des discours critiques qui reposent sur d'autres arguments. Et le malaise, qu'est-ce qu'il est? Il se vit dans le rapport aux choses. On dit qu'on est libre, par exemple, ici. On est dans un pays libre, il paraît. Mais quand est-ce qu'on est libre? On est libre de quoi? De travailler au McDonald's plutôt qu'au Burger King. On est libre. Quand est-ce qu'on est libre? La liberté s'estompe dès lors qu'on rentre sur le marché du travail parce qu'on apprend que le droit du travail, c'est pas tout à fait le même droit que celui de la vie civile. Mm-hmm. On a un rapport de subordination officielle, formelle, à l'employeur. Donc, on n'a plus la liberté d'expression parce qu'on est obligé de le laisser parler à travers nous. Il faut parler comme lui parce qu'on est lui tandis qu'on est subordonné le temps... Non, du contrat. Et après, comment s'organiser? On s'organise en fonction d'un droit à la syndicalisation. On nous dit qu'on a le droit de grève. On a le droit de grève à peu près 3 semaines ou 5 ans. Ouais. Donc, finalement, on n'a pas le droit de grève. Non, on appelle ça le droit de grève parce qu'on l'a exceptionnellement. Mais c'est une exception, ce n'est pas la règle. Et là, on se rend compte que tout est calibré en fonction d'une sorte de forclusion du droit dans des sous-ensembles où il est nié. Le droit est nié dans des espaces forclos où là tout d'un coup les mesures d'exception prennent plus de place que l'espèce de principe générique. Alors donc il y a de quoi à un moment donné de se dire ben moi c'est drôle, je travaille dur, je prends des antidépresseurs, je bois beaucoup de café, je prends des somnifères, je suis toujours malheureux, je me sens insignifiant, j'aime pas mon patron, je comprends pas ce que je fais. On me demande de faire de l'obsolescence programmée ou de vendre des produits dont n'ont pas besoin mes clients. Complètement absurde, les standards augmentent tout le temps. La pression est folle. On me menace d'être viré ou je sais pas. Il peut y avoir même du harcèlement moral. Il y a des délocalisations possibles. Peut-être que si je baisse mon salaire, il n'y aura pas la délocalisation ailleurs.
c'est quoi ce système-là? Ouais, est-ce qu'elle est la liberté? Où est-ce qu'elle est? Le marché est libre, lui. C'est ça. C'est la liberté de disposer du capital quand on... pour une minorité. Ouais, ben c'est intéressant dans ce rapport-là avec cette espèce de système-là. Vous en parlez beaucoup dans la médiocratie. Finalement, vous dites qu'il y a certains... décrivez certains types de personnes, c'est quoi notre rapport avec ce système-là. Je trouve ça très intéressant parce que à chaque fois que je t'entends décrire ces gens-là, on peut reconnaître des gens dans nos têtes. Est-ce que toi, tu avais des gens en tête quand tu écrivais ces différents types de personnes? J'avais soit des gens, soit des figures littéraires. OK. Des romans. C'est qu'en fait, ce sentiment-là de malaise, pour moi, est la bougie d'allumage de la politique, alors que dans le discours public, on fait tout pour le réprimer. Mm-hmm. Si vous vous sentez mal, allez voir un psychologue, là, il va vous bourrer de médicaments, il va vous forcer à vous contorsionner pour que vous fonctionniez dans le dysfonctionnement du capital. C'est incroyable. Bon, ça, on ne va jamais remettre ça en doute, le capitalisme. Alors que le malaise devrait être la bougie d'allumage d'une réplique politique. C'est un refus de revendication pour que les modalités organisationnelles changent radicalement, pour qu'on inscrive au titre de l'économie des enjeux écologiques. Et aussi la santé publique, qui est liée aux conditions de travail, en très grande partie. Ce malaise-là, vous verrez très peu, par exemple, de politologues, et de politistes et d'experts en gouvernance et autres dogmates du genre, l'intégrer dans un modèle. On va réduire les gens à des abstractions, beaucoup. Ouais. Et au fond, ce qu'on exige des gens, j'en viens à ta question, c'est d'être médiocre. Et j'insiste vraiment pour dire que la médiocrité, contrairement à une sorte de pensée courante, ne constitue pas un nivellement par le bas, mais un nivellement par le moyen. Ouais. On ne veut pas... Il n'y a pas une organisation aujourd'hui là, qu'on peut nommer, identifier, qui souhaite avoir un personnel ou des partenaires qui n'ont pas le sens d'assiduité, savent pas lire un formulaire, n'ont pas le sens de politesse, ainsi de suite. Mais on ne veut pas non plus de gens trop exigeants sur un plan moral, politique, éthique. J'ai souvent, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours cette image de l'éclairagiste. Je ne sais pas pourquoi. Mais l'éclairagiste, c'est un peu ça. S'il travaille à TVA ou à même une télévision d'État, on va vouloir qu'il éclaire de manière médiocre. On veut qu'il connaisse son appareil, on veut qu'il veut qu'il soit capable de remplacer une ampoule, on veut qu'il soit à l'heure, on veut qu'il soit poli. Mais on veut pas qu'il se mette tout d'un coup à étudier la photo, puis l'éclairage en regardant des films du répertoire pour tout d'un coup dire celui-là, je vais l'éclairer par en dessous avec une douche. Puis je c'est comme, non, c'est Gino Chouinard qui est éclair. C'est ça. Oui, c'est ça. Simple. C'est ça. Ouais. Et éclaire tout le monde de la même manière, standardise. Ouais. Bon, et c'est comme pas ça. Pas de personnalité pour là-dedans. Ouais. Ah, pas d'engagement, pas d'exigence. Et bon, et ensuite, ça sera beaucoup plus grave en ce qui concerne, par exemple, les petits commerciaux à qui on va dire, mais là, il faut que votre rendement augmente de 5% cette année sur un volume qui devait déjà augmenter de 5% l'année d'avant. Sur un volume, là, c'est plus 5% du même volume. Là. C'est toujours 5% d'un volume qui augmente, c'est toujours plus. Et on rend les gens fous. On va dire, ben là, voilà, il y a des techniques sous pression. Faut jamais que vous considériez que c'est votre client qui a un besoin et qui vous demande quelque chose, c'est que vous devez le convaincre qu'il a besoin de ce dont il n'a pas besoin. Un besoin, ouais. Bon, et ça peut être des personnes âgées qu'on abuse, dont on abuse, ça peut être toutes sortes de situations, quoi, où vendre des choses qui sont destinées à briser ou à être obsolètes dans le temps de le dire. Et là, quelqu'un pourrait très bien dire, mais moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ça se peut pas que ma société exige ça de moi. Ah ben là, on s'auto-exclut, ou bien on est congédiable dans l'heure, quoi. Bon, si on reste pas médiocre. Bon, la médiocrité, c'est vraiment un impératif. C'est d'être moyen, d'être moyen au sens d'une moyenne qui n'est pas scientifique, mais de la moyenne que le régime d'extrême-centre, il y en a d'autres aujourd'hui, qui se présente comme étant moyen, alors qu'il est extrême, à mon sens, et qui est excessif, le pouvoir de qualifier comme tel, là, de moyen. On instaure une moyenne un peu idéologique. On dit ça, c'est la moyenne, c'est le standard, quoi. C'est le comportement, tu sais, attendu. Et c'est là où, effectivement, je me suis intéressé à une sorte de galerie de personnages conceptuels, là, tu sais, que pour un peu
comprendre comment on réagit à ça. Et je peux refaire un peu l'éventail. Oui, parce que c'est drôle, c'est intéressant. Il y aurait d'abord et avant tout, c'est un personnage un peu mi-fictif, mi-biographique qui me vient en partie de Pierre Lefebvre, là, qui a fait aussi au Québec les Confessions du Cassé, mais aussi de Georges Perec avec L'homme qui dort. Okay. Hein, c'est le personnage qui, sans nécessairement être engagé politiquement, peut avoir une grande réflexion critique sur l'ordre du monde, et simplement viscéralement et physiologiquement dégoûté par tout ça, au point même assez paresseusement, puis en étant picassiette, puis en étant dans une sorte de retrait comme ça, de pauvre, quoi, qui fait simplement ne pas jouer le jeu. Ouais. Quitte à flirter avec la clochardise ou avec l'errance, ouais, ouais, en étant comme ça, en grappillant ce qu'il a, en vivant vraiment chichement, mais en simplement en étant incapable, mais vraiment, de dire merci à quelqu'un qu'il a envie de mépriser, faire un sourire à quelqu'un qui veut faire une grimace, d'être dans une sorte de contradiction interne, continue. C'est pas possible, mais sans que ça passe par une réflexion très critique. C'est ça, ce serait le premier. La deuxième personne, ça serait... Ça peut sembler dur de le dire, mais ça reste descriptif. C'est la personne aliénée, c'est la bonne personne, souvent, qui apporte des chocolats ou des fleurs au travail, qui est gentille avec tout le monde, bien intentionnée, et qui prend au pied de la lettre les injonctions du régime. Qui se dit, bon, la loi, c'est la loi, les puissants sont les puissants, la directive est la directive, et qui vivent là-dedans souvent, le soir, ils arrivent chez eux, ils sentent qu'ils n'ont pas la hauteur, sur Facebook, tout le monde a l'air plus heureux qu'eux. Il y a comme une sorte de contradiction interne permanente qu'il faut en quelque sorte surmonter pour être à la hauteur de ce que la société attend de nous, sans que jamais la société soit mise en doute. Et c'est des gens souvent qui soit craquent, dissimulent leur détresse. Ouais. Bon, et sont vraiment, pressés. À mon sens, les victimes de cette société-là. J'ai beaucoup de sympathie. Je pense que c'est la majorité, en fait. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais on en reconnaît. Qui prennent comme tel le contrat idéologique, sans considérer que démocratiquement, on pourrait interagir pour au moins amender ce contrat-là, le renégocier en permanence. Quoi. Comme cette idée, puis on ne veut pas de troubles sociaux, pas de chicanes à Noël à la famille, dans la famille. Bon, puis au fond, voilà. Bon. Il y a, sinon, après, les médias. Mais les médiocres actifs. Ah ouais. ceux qui se complaisent et même jubilent dans la médiocrité. Ce sont des petits carriéristes, souvent, qui n'ont pas vraiment de convictions propres. N'ont pas vraiment même de morale propre ou de discours propre. Mais ce sont des gens intéressés, des arrivistes, hein, qui, au fond, complètement mettent leur personne au service des pouvoirs capables de les faire évoluer dans leur plan de carrière. Donc, s'il faut dire une chose, on va dire une chose. S'il faut dire le contraire, on va dire le contraire. S'il faut s'habiller d'une manière, on va s'habiller d'une manière. S'il faut s'habiller d'une autre. Et ce sont des gens qui se lèvent le matin, non pas en ayant une sorte d'éthique de la conviction, surtout pas au sens où il faudrait bien faire ceci ou cela, mais en se demandant sur l'échiquier sur lequel ils sont, comment se comporter pour avancer, pour nuire à ceux qui dérangent ou sont en dessous ou à la même hauteur, pour avoir les faveurs des plus puissants et qui... Et l'avenir est à eux. C'est eux qui réussissent. C'est eux qui vont se rendre au top. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup, finalement, de dirigeants qui sont souvent insignifiants, qui ne pensent rien de rien, qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de discours, mais ils sont rassurants pour les gens de pouvoir parce qu'on voit en eux des bénis oui-oui, puis des assoiffés font d'avantages et puis de faveurs du régime. Suffisamment pour toujours se conformer, toujours, au fond, en caméléon, quoi, se prêter au jeu. Ça, c'est les médiocres. Et vraiment, eux, du coup, prennent le pouvoir d'une certaine façon. Donc, il n'y a pas de problème. Tout ça est correct, vu qu'ils se rendent au top, puis ils sont riches, ils font de l'argent, puis c'est ça qu'il faut. Et là, il y a une autre catégorie ensuite qui serait celle pour qui j'ai aussi beaucoup de sympathie, qui serait celle des médiocres malgré eux. C'est des gens qui se distinguent de l'autre catégorie tout à l'heure, des aliénés. Là, les médiocres malgré eux, c'est des gens qui marchent au pas en étant pleinement conscients de ce qu'ils font, de la banalité du mal. Mais
mais il y a des bouches à nourrir, il y a une hypothèque payer, mais on est coincé, mais on ne voit pas comment on peut se déprendre de toutes sortes de contraintes. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de ça aussi, ouais. Donc là, c'est là qu'on crée un syndicat, on râle un peu, le soir, on écrit sur Facebook contre son employeur sous le couvert de l'anonymat, on essaie de trouver des échappatoires, on lit des bouquins un peu critiques. Bon, on peut très bien travailler pour une pétrolière le jour, puis militer contre le pétrole le soir, quoi. On est dans une sorte de contradiction. Mais très souvent, c'est les gens qui font des dépressions, qui s'engagent dans des pré-retraites, qui râlent tout le temps ou qui contiennent leur insatisfaction, mais sur un plan, ils sont boursouflés par la névrose à la fin, là, ils sont mal, quoi. Bon, là, c'est un type aussi... je pense qu'on peut assez bien reconnaître. Ouais. Et puis, il y aurait enfin, à l'autre bout du spectre, un peu comme le cassé tout à l'heure, des gens qui, eux, refusent aussi d'entrer, mais en pleine connaissance de cause, sur un mode militant. Là, il s'agirait de dire non, jamais, d'une manière concertée, réfléchie, je vais m'abaisser ou me conformer à ceci ou à cela. Je le dis, je le formule, je le fais consciemment, j'en fais même un objet de lutte. Là, je m'organise, j'écris, je milite, je bloque, quitte à me faire arrêter par la police, quitte à me faire mépriser par ma famille. Mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus conscient, de moins strictement viscéral qu'au début ou défensif. Là. Il c'est un engagement. Vraiment... Puis là, c'est une minorité qui n'est pas si minoritaire que ça. Hein. C'est Léo Ferré qui disait, il n'y en a pas un sur 100, mais pourtant ils existent. Là. Il y en a toujours. Il y en a toujours, et c'est sur un plan soit intellectuel, soit politique, activiste. Ce qu'on retrouve, c'est principalement cette catégorie d'acteurs. Mais ça, pas jouer le jeu, par exemple, ça, vous en parlez, là, jouer le jeu, ça vient de la mafia, cette expression-là. La mafia l'utilise, en tout cas. Mais quand tu ne joues pas le jeu, il y a des conséquences quand même très directes sur ta vie, là, des conséquences violentes, souvent. Des fois, moi, les rares fois dans le show business où j'ai pas joué le jeu, j'ai payé le prix, je le paye encore. Je veux dire, c'est extrêmement difficile et demandant, et tu t'engages sur une voie là, quand tu décides de plus jouer le jeu. There's no way back, là. C'est quand même extrêmement difficile. Toi, c'est ça que tu as décidé de faire quand même. Est-ce que ça te nuit dans ta carrière? Est-ce que ça te nuit sur les invitations, sur des plateaux télé ou tout ça, ou à l'université ou quoi que ce soit? Mais c'est compliqué quand on est dans cette dernière catégorie dont je parlais, à laquelle j'ai tendance à m'identifier. Il faut quand même se méfier parce que on peut devenir aussi l'idiot de service, l'idiot utile. C'est qu'on peut devenir la caution, des pouvoirs, comme quoi, bon, à l'université, on donne quand même une charge de cours à un énergumène pareil. Dans les médias, on le laisse quand même passer une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça, et là, vous voyez. On se lave les mains, puis il est ça là. Donne bonne conscience. Il a la foule, de toute manière. C'est pas grave. Ou on va le rendre tel si c'est, il performe pas assez ce qu'on attend de lui. Mais il y a ce risque-là, effectivement, d'être utilisé comme une sorte de caution pour des pouvoirs qui veulent se présenter comme libéraux, même s'ils ne le sont pas du tout. Ils sont totalement idéologiques puis intransigeants. Et même assez violent dans leur prise de position, leur distribution d'étiquettes, quoi. Mais il y a un risque. On n'est pas strictement marginalisé. Il y a un risque. Puis, bon, l'idée, c'est d'essayer d'en jouer en rusant, de pas non plus se prendre au sérieux là-dedans. Si moi, j'ai eu la chance d'intervenir parfois dans les médias parce que j'ai avancé masqué, plutôt que de parler du socialisme ou de la révolution, j'ai parlé des paradis fiscaux. Ouais. J'avais comme une allure d'expert, même si je ne croyais pas deux minutes, pour pouvoir montrer, faire une démonstration comme quoi, à un degré ou à un autre, selon l'acuité d'écoute qu'on a, notre régime est corrompu. Bon, lui, il s'agissait plutôt de discours sur la corruption de notre régime capitaliste que d'une critique spécifique sur des mesures très précises à prendre pour faire en sorte qu'un tel ou un autre paye ses impôts. C'est vraiment plus une critique sur toute une machination qui est celle de notre époque, puis notre régime, puis c'est de revoir la critique de notre régime. Mais je parlais d'une manière à ce que, selon notre degré de compréhension des enjeux, on puisse avancer à son rythme. Alors que si on arrive de but en blanc avec un grand discours comme ça, totalement radical, on risque d'effaroucher. T'avais calculé ça. C'est une stratégie discursive, si on veut. Mais c'est vrai que lorsqu'on refuse de jouer le jeu,
Ben, jouer le jeu, en fait, c'est tricher. Jouer le jeu, c'est agir par en dessous. Jouer le jeu, c'est comprendre qu'au-delà des logiques formelles qui souvent obéissent à des principes plus ou moins respectables, mais en fait, plus souvent respectables que moins, il y a par en dessous d'autres logiques. Qui sont pas dites, qui sont non écrites, qu'il faut comprendre, et qui favorisent un réseau, qui favorisent des intérêts dont on ne parlera pas. Et puis c'est toute une affaire de clin d'œil, puis de sourire par-dessus l'épaule, puis de jeux de connivence comme ça qui sont implicites. Et qui souvent relève des dimensions les moins édifiantes de l'humanité. Ouais. La triche, le mensonge, l'abus, l'aberration. C'est tout ça qui est en jeu. Puis à un moment donné, on se dit, ben, moi, il me semble que j'ai une vie. Ouais. J'en ai pas cinq, puis je vais pas perdre ma vie à m'avilir. Ouais. Bon, ben, c'est sûr que ceux qui sont compromis dans le jeu n'aiment pas ça, parce que tout d'un coup, on leur montre qu'on peut dire non, alors qu'ils voudraient bien se faire croire qu'on n'a pas le choix. De toute façon, quelqu'un d'autre va le faire, si c'est pas moi. On se donne une bonne conscience néanmoins. Et là, tout d'un coup, quelqu'un arrive et dit non, on pourrait dire non. La preuve, c'est que je le fais, moi. Je dis non. Ouais. Hein? Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se fait poursuivre des sociétés minières, si on regarde, pour 11 millions de dollars. Ça veut dire qu'il n'y a pas une université qui veut... au fond, en quelque sorte, bénéficier de ce pourquoi on lutte, c'est-à-dire la liberté de recherche à l'université et la liberté d'expression à l'université. Là, tout d'un coup, on pense qu'on lutte pour des collègues, mais les collègues nous disent « Non, on n'en veut pas de cette liberté-là. Nous, on veut collaborer avec les puissants pour avoir un peu d'argent. Oui. » Donc là, on se dit « Ok, je pensais que j'étais solidaire d'une catégorie sociale que sont les universitaires, mais non, la plupart des universitaires ne sont pas à l'aise avec l'idée que je me batte avec eux dans mon approche pour une liberté dont ils ne veulent pas. » faut le faire, quoi. Ouais, ouais. Donc là, tout d'un coup, on se dit, OK, mais ils n'aiment pas non plus qu'on montre par l'exemple qu'ils sont médiocres. Parce qu'eux, tout ce qu'ils veulent, c'est la petite subvention, le petit machin, le petit discours, la petite revue, le petit article, le petit salaire, puis bon, tourner en rond, quoi. Il ne faudrait quand même pas que les universitaires érigent un discours qui soit, en quelque sorte, autonome par rapport à l'idéologie. Parce que 50% du budget de l'université provient de ces pouvoirs qui non seulement génèrent l'idéologie, mais embauchent les professeurs pour qu'elle soit produite, hein, cette discursivité-là idéologique. Donc là, il y a évidemment qu'on est n'importe où, mais bon, moi, je crois que l'engagement intellectuel, en l'occurrence, on pourrait parler d'autres types d'engagement, hein, politique, ainsi de suite, sociaux, l'engagement intellectuel consiste à penser en fonction des ressorts propres à l'esprit, indépendamment des intérêts liés au discours qu'on élabore. Hein? Donc, ça veut dire qu'on pense par rapport à ce que l'esprit, eu égard à une sorte de morale élémentaire, on peut se référer à Kant si on veut, nous amène à penser. Ensuite, le reste vient de surcroît. On peut finir en prison comme Gramsci, au fond de l'eau comme Rosa Luxembourg, ou néanmoins dans une université comme Saïd et Chomsky. Mm-hmm. Dépend de la chance. Ouais, c'est ça, c'est une affaire de chance, de fortune, de hasard. Hein? Bon, et puis la plupart des intellectuels autonomes dans l'histoire, dans la modernité, finissent plutôt dans une forme de précarité financière. Ouais, ben c'est ça. Mais la conséquence, c'est ça, finalement. T'sais, pas jouer le jeu, c'est une conséquence financière, mais je trouve qu'on ne dit pas souvent que jouer le jeu, ça a une conséquence, en tout cas, j'imagine, sur ta conscience, sur ton âme. Je veux dire, tu vas finir sur les antidépresseurs. Ben, le salaire, c'est qu'on peut se regarder à la glace, on ne prend pas de psychotropes, et on n'est pas en train de se mentir tous les jours, c'est fatigant, en se disant « oui, ce que je fais, c'est bien quand même, parce que si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre doit le faire, de toute façon, il faut jouer le jeu, puis c'est pas moi, c'est bien. » Là, on est toujours en train de se... Bon, on fait l'économie de tout ça, ce qui est quand même beaucoup. Et puis, on découvre d'autres voies, d'autres formes, d'autres rapports, des relations bonnes auxquelles on n'aurait pas eu accès si on avait joué le jeu. Je pense que si j'avais joué le jeu, je serais pas ici aujourd'hui, par exemple. Ça, c'est officiel. C'est officiel que tu serais pas ici. Non, ça crée une rencontre, moi, que je trouve plus riche que si j'étais là en train de mégoter dans un coin pour essayer de grappiller truc qui me revient peut-être pas de droit. Ou je sais pas, bon. T'as-tu l'impression que les fois que t'as fait des plus gros plateaux de télé, y a-tu, d'une certaine manière, tu joues le jeu? Parce que, tu sais, y a quand même... Vous avez
t'as beaucoup critiqué les médias quand même, la télévision. Mm-hmm. Quand tu participes à ça, est-ce que t'as l'impression d'un peu essayer de te rentrer dans le cadre? T'sais, parce que c'est quand même assez absurde. Là. Tu vas, tout le monde en parle, puis les gens pensent « Mon Dieu, les paradis fiscaux, c'est épouvantable. » Puis l'invité d'après, mettons, c'est Justin Trudeau, puis on parlait de son voyage en Inde, puis on fait pas les connexions, on fait pas les liens. Mm-hmm. C'est quand même... c'est assez particulier participer à ça, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui écoutent ça, donc... Oui. Je dirais... Il y a un enfant à l'autre bord. Oui, est-ce que ça gêne pour le... Non, okay. Ça gêne pas. C'est une question délicate. Moi, j'ai commencé à écrire sur un mode public en 2004 en faisant paraître Paul Martin et compagnie. Puis là, je me suis attaqué à tout ce qui bougeait. Le régime politique fédéral, le Parti libéral du Canada, les paradis fiscaux, les médias, en particulier Quotidien La Presse, que j'aborais à l'époque. Aujourd'hui, je le vois un peu moins parce que je ne suis pas trop sur les plateformes numériques. Ainsi de suite. Moi, je m'attendais jamais à être invité à quoi que ce soit. Okay. J'ai découvert qu'il y avait une place pour ce type de discours-là dans les médias. À ma propre surprise, moi j'étais sûr que ce serait un livre qui circulerait comme ça entre quelques mains. Et ensuite, il y a eu Noir Canada qui lui a fait l'objet d'une saga judiciaire. Donc là, c'était autre chose, parce que c'était un feuilleton judiciaire autour du livre qui m'amenait à en parler. Les gens, ils parlaient de la poursuite, moi je parlais du livre. Donc là, je me suis toujours dit, bon, les médias, bon, quand on a lu pas mal, puis beaucoup plus du domaine du livre que de la télé, donc la télé m'impressionne pas. Okay, ouais. Elle m'impressionne, disons, dans son dispositif, parce que c'est un dispositif presque policier, là, avec des projecteurs. Puis ça, c'est impressionnant à être sur un plateau. Je ne vais pas faire semblant que j'ai pas le strac. Mais comme pouvoir, la télévision ne m'impressionne pas. J'ai l'impression de la dominer du point de la pensée. De savoir où elle se situe. Donc là, je me dis, bon, on m'invite. Moi, j'ai toujours râlé qu'il y a des discours qu'on n'entend pas. Bon, là, on m'invite. Mais c'est sûr qu'on me formate. Hein. J'ai 5 minutes, j'ai 2 minutes. Il faut que je réponde à un crétin. selon les cas. Bon, par exemple, voilà. Tiens, je ne sais pas à quelle sauce je vais être traité. Sinon, parfois, à Radio-Canada, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, j'ai l'impression que je participe à une émission de passe-partout pour adultes. j'ai l'impression d'être... Là, on est coincé. C'est vraiment la fameuse expression un peu passe-partout de McLuhan, « Media's message », que le que conditionne ce qu'on va lui dire. Oui. Bon, moi, je me suis dit au début, l'important, c'est d'y aller et de surprendre, d'être fulgurant, mais de ne pas y rester. Ouais. Et là, à un moment donné, j'ai considéré que dans mon évaluation, parce que c'est difficile d'être lucide, que j'y suis allé un peu trop. Quand il était question des paradis fiscaux, là, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas bon. Parce que c'est rendu que les journalistes prévoyaient mes réponses, connaissaient mon argumentaire. Me cadrait complètement. Là, il y avait une petite case pour moi, je rentrais dedans, je faisais pas bouger les lignes, et j'étais intégré. Là, j'ai commencé à me faire inviter aussi pour que je vienne parler de mon rapport à la crème glacée, de ma couleur préférée, comment je passe mes vacances. Là, la radio. C'est ça. Là, j'ai dit non. Là, j'ai arrêté, puis j'ai même quitté les villes, j'ai déménagé. Là, je travaille plutôt sur la mode. Je travaille vraiment plus engagé dans la méditation, dans les livres, parce que je veux reconsidérer un certain type de discours, puis ça prend du temps. Je ne veux plus être dans des marottes et dans des automatismes de langage. Okay. Là, donc, ça suppose un temps, ça suppose une retraite, ça suppose un travail, ça suppose un engagement de cette nature-là. J'ai fait un peu mon autocritique à un moment donné. Je me suis dit, j'ai comme... Oui, parce qu'on veut placer le schmilblick, on veut placer l'objet, on veut faire avancer une cause. Je pensais que les paradis fiscaux, c'était une façon d'avancer masqué, c'est un cheval de Troie. C'est une façon de placer un objet. Ensuite, de tellement choquer qu'on suscitait, je trouve ça intéressant quand même, de susciter des questions qu'on n'avait même plus besoin de porter soi-même. Les gens disaient, mais comment ça se fait que c'est possible? Mais qui le fait? Mais qui en profite? Mais combien ça nous coûte? Mais comment ça se fait que ça existe? Mais depuis quand ça existe? Quoi? Ça existe depuis 50 ans? Et là, tout d'un coup, on avait... Le questionnement venait d'autrui. Moi, je trouve ça très encourageant. Tu sais, je n'avais pas à arriver avec un discours révolutionnaire devant des gens qui disaient, c'est qui ce fou-là? Non, la question venait des... Je n'avais qu'à répondre à des questions que suscitait l'enjeu des paradis fiscaux. Donc, je trouvais ça très pratique pendant un temps. Mais quand j'ai commencé à sentir qu'il y avait comme un épuisement, là, j'ai souhaité qu'il y ait des nouveaux visages, des nouveaux noms, une nouvelle voix. Donc, de temps en temps, je rappelle un petit peu ma marotte parce qu'il y a une façon de parler des choses que je ne reconnais pas nécessairement dans les autres discours. Puis je trouve important que ce soit juste rappelé, une piqûre de rappel. Mais je pense que dans les médias, ce qui est important, si on veut
marquer le coup politiquement, puis pas simplement être dans la bouillie médiatique, mais essayer de faire en sorte, au fond, que les gens éteignent leur télé. C'est ça, le but qu'on voit à la télé, c'est qu'ils l'éteignent. Écoutez-moi et après, éteignez ça, s'il vous plaît. Ça, aller lire des livres. Ouais. Tiens, aller lire des livres, aller méditer. Prenez une marche. Oui, oui, mais sortez de ça, là. C'est ouais. ça, mon but. Okay. Ben, faut choquer. Bon, puis je pense qu'en France aussi, il y a eu cette émission animée par Frédéric Taddeï, hein, qui était... Ce soir ou jamais. Ouais. Là, c'est un peu ça aussi. On m'a invité à parler du travail parce que j'avais écrit gouvernance puis la médiocratie. Je suis allé là avec un trac de fou parce que c'était une émission française quand même. Ouais, ouais, ouais. À heure de grande écoute là. Et puis bon, je veux dire, je suis arrivé avec l'intention de d'inscrire 2-3 problématiques qui m'apparaissaient à la fois fondamentales et simple. Hein. Mm-hmm. Puis je suis pu revoir cet animateur que je respecte beaucoup à la radio. Ça va, tu vois, ça va. Si Marie-Louise Arsenault me donne une heure, je trouve ça très bien. J'exprime ma gratitude. Il y a un cadre, là on peut placer des choses. Je me sens aussi libre de développer, c'est correct. Si je peux arriver, puis dans un moment fulgurant comme ça, placer 2-3 idées pour qu'on ait envie d'éteindre son téléviseur, puis de lire des livres, je trouve ça bien aussi. Mais on peut pas le faire à répétition. Ouais. Tu voudrais pas devenir le philosophe vedette, là. Il y a beaucoup ça en France, on n'a pas vraiment ça ici au Québec, là, mais tu sais, les Michel Onfray, Finkielkraut, BHL. 5 livres par année, qui se vantent d'avoir écrit plus de 100 livres dans sa vie, qui est tout le temps là, qui parle de tout, qui est ultra prévisible. Non, mais je pense qu'il y a des gens au Québec qui sont chroniqueurs au Journal de Montréal, qui se targuent d'être intellectuels, qu'on voit partout, et qui se nuisent à eux-mêmes, parce qu'ils finissent par faire partie du papier peint, du bruit ambiant. Quoi. Donc, on ne peut pas connaître tout, puis avoir une opinion régulière temps, à chaque semaine ou à chaque jour, en fait. Formaté. Et ce qui est intéressant, c'est que pour autant, je ne pense pas que les intellectuels, j'en parlais tout à l'heure par rapport à l'essai, puis à une parole publique, là, qui est authentique, là, qui ne relève pas nécessairement de la vulgarisation, je crois qu'on peut parler simplement. Je crois qu'on peut penser dans la langue naturelle. Mais je pense que le travail de la philosophie peut être non pas de faire du culturisme conceptuel, puis d'arriver dans des colloques, puis de gonfler sa musculation conceptuelle de façon à toucher à des points d'abstraction que seuls certains sont capables d'atteindre. Ce qui est la conception de la philosophie souvent pour les gens. Ouais. Ouais, qui peut aussi relever une caricature, mais malheureusement, beaucoup de philosophes s'empressent de donner de la consistance à cette caricature. Mais c'est de dire, par rapport à une formation que j'ai, qui m'a amené à lire Aristote, Platon, qui m'a amené à lire Hegel, Kant, qui m'a amené à lire Kierkegaard, Nietzsche, qui m'a amené à lire jusqu'à aussi la littérature d'une certaine façon, Dostoïevski d'une certaine façon, aussi la psychanalyse, Freud. Non pas comment je peux pousser toutes les abstractions auxquelles j'ai été exposé dans ma formation pour vraiment faire péter le thermomètre, la machine à orgueil. Là, non, c'est pas ça l'idée. Ça peut être intéressant. Mais c'est de se dire, dans tout cet éventail de discours possibles, qu'est-ce que je trouve à mobiliser dans un contexte donné pour essayer de conférer du sens à une situation, de développer un concept qui va nous situer intellectuellement. Et ce concept-là peut être simple. Ça ne veut pas dire que les études qu'on a faites pour y arriver le sont également. Peut-être qu'il a fallu procéder à des lectures ardues pour arriver à mener à capable de dire, au fond, le problème, c'est peut-être celui de la citoyenneté ou l'idée de l'individualisme ou je ne sais trop quoi, du capital. Il y a eu beaucoup de lectures complexes derrière, mais qui font qu'à un moment donné, on arrive à une parole qui peut être abstraite. Moi, j'ai eu des moments où je me suis livré à des paroles, à des discours, qui étaient, je pense qu'il y avait leur lot d'exigences. Gens me le disaient, j'ai trouvé ça dur. Parce qu'à un moment donné, il faut passer par des pente de complexité, parce que les situations sont complexes, et à ce moment-là, assumons-le. Des fois, c'est inévitable. Mais il y a des moments où on peut simplement, dans ce qui relève d'une culture, dire, il me semble que c'est ça aujourd'hui qu'il faut dire, dans le contexte dans lequel on est. Il faut mobiliser ce discours-là, qu'il soit compliqué ou pas, c'est pas l'enjeu. Mm-hmm. L'enjeu, c'est est-ce qu'il est pertinent. C'est ça qui m'a intéressé, autant à la télévision que dans des écrits qui sont parfois des écrits plus brefs, là, plus succincts. En espérant qu'il y ait à chaque fois un élément de surprise, quelque chose qui nous sort du ronronnement. Sinon, pourquoi écrire, pourquoi parler? Et la télévision tend à nous amener
à cette espèce de ronronnement, à nous rendre prévisibles, à dire ah, oui, on sait de quoi il va nous parler, c'est prévisible, on va le mettre dans la case, ils vont nous ronronner ça, puis cinq minutes après, on va passer à autre chose. Ouais, ouais, ouais. Et ben, il faut quand en j'ai plus senti passer à autre ça, chose. Ouais. Ouais, quand j'ai senti par contre que je ronronnais, j'ai voulu passer la main sur les objets pour lesquels on m'appelait. Ouais, c'est quelque chose d'assez particulier dans la télé, c'est qu'on va vous écouter, puis on va être, offusqué, indigné pendant 4 minutes, puis après ça, c'est la pub. On passe à la pub, puis c'est ce qui est exactement. Le nœud du problème, c'est là, finalement. Faut éteindre le poste. Mais le problème, en plus, c'est quand on est plus offusqué parce qu'on est habitué d'entendre ouais. le disque. Ouais, ouais, là, ouais. Moi, qui est ce moment-là, déjà, c'est comme le moment moyen. Parce que moi, j'ai constaté qu'en passant à la télé, très souvent, c'est là que le téléphone sonnait pour que je fasse des conférences. Et c'est là que ça commence. Ouais, ouais, ouais. C'est que là, il dit. Il servir de. Mais c'est ça, c'est que là, on se dit, on fait comme une sorte d'annonce. Là, c'est de la publicité au sens neutre du terme. Là, ouais. On rend public l'existence d'un discours, une disponibilité à en parler. Et donc là, il y a des gens qui interagissent. C'est qu'ils effectivement éteignent le téléviseur, prennent le téléphone, puis disent ben, voudrais-tu venir en parler à mes 50 amis qui s'intéressent ouais, à la ouais. question ou qui sont susceptibles de le faire. Donc là, à ce moment-là, je trouvais ça intéressant. Mais quand ça devient une sorte de marotte, qu'on est habitué, que c'est comme un vieux disque, ça fait partie du bruit de fond, là, il faut arrêter. Ouais. Parce que là, à ce moment-là, même, on. Et je pense que c'est un peu ce qui est arrivé avec les paradis fiscaux, si je fais mon autocritique, là, c'est que là, on rentre dans un moment où on banalise la chose. Ouais. T'sais, c'est comme la fin dans le monde. Donc, on finit par en parler d'une manière tellement convenue et désormais habituelle ouais. hein, qu'on ne crée pas ce choc. Ouais. Et donc, il faut trouver d'autres façons de le faire, d'autres stratégies, étant donné notre économie médiatique. Quoi. Mais ça, c'était assez particulier que tu sois le. Bon, tu n'as pas été le seul à parler de paradis fiscaux, mais quand tu es arrivé avec ça. Tu sais, je veux dire, t'es philosophe, là, t'es pas économiste, fiscaliste ou quoi que ce soit, puis t'es un des premiers. Tu représentes ça, là, t'es malgré toi, t'es l'emblème des paradis fiscaux, puis on t'invite pour ça. Mais tu trouves ça surprenant que finalement, quand tu t'es embarqué là-dedans, t'étais pas le seul, mais au Québec, il n'y a pas beaucoup de gens à me parler. Il y a eu quelques journalistes qui ont fait des papiers, mais je pense que c'est venu après. J'étais certainement le seul à ne pas relever des champs de compétences stéréotypés. Ouais. Il y avait en même temps que moi Brigitte Alpin qui, en tant que comptable, a écrit sur les fondations, par exemple, et qui se présente elle-même comme quelqu'un de droite, okay. Qui présente elle-même la fiscalité comme étant strictement arithmétique et pas politique. Donc j'ai beaucoup de difficultés à la suivre sur le fond, sans parler d'autres aspects de son engagement. Mais c'était bien qu'elle fasse ce qu'elle fait et elle a pu... rassurer des gens qui ont besoin de cette caution-là. C'est une comptable qui parle. De manière plus rigoureuse et intéressante, il y a André Larroux aussi, qui a fait des interventions ponctuelles depuis le début des années 2000 sur cet enjeu-là, qui est professeur de droit fiscal à l'Université Laval. Quelqu'un de très rigoureux, très sérieux, qui intervient par contre modérément et j'aurais envie de dire chichement parce que parfois j'aurais aimé qu'on l'entende un peu plus. Quoi. Mais néanmoins, rendons-lui d'avoir fait ce que l'immense majorité de ses collègues n'ont jamais fait. C'est-à-dire se prononcer de manière critique sur ces questions-là et de manière de plus en plus critique au fil des années et d'une manière extrêmement assise, sérieuse. Et puis bon, pour ma part, je tenais vraiment à apporter une lecture qui était peut-être sûrement présidée par une conscience philosophique, si on veut, mais qui se voulait fondamentalement interdisciplinaire. Et moi, ce qui m'a intéressé dans les paradis fiscaux, c'est de recouper les discours. Le témoignage de marins qui avaient travaillé donc, sur des bateaux de marchandises et qui pouvaient parler des ports francs. Le témoignage, évidemment, de juristes, de sociologues, d'anthropologues. D'artistes, ouais. Du cinéma, par exemple, sur ces questions-là, qui avaient spéculé, qui avaient cherché, qui avaient essayé de comprendre, qui avaient essayé de montrer. C'est de faire une sorte des historiens, une synthèse, de beaucoup d'aspects pour arriver à un discours qui donne lieu à un résultat qui n'est pas la somme des parties. Donc, mm-hmm. Une compréhension beaucoup plus grande. Ça a été mon livre Offshore, après le coup de gueule qui était Paul Martin et compagnie, ouais, qui ouais. Bon, plus assis, jusqu'à ce que je fasse une étude des relations entre le Canada et les paradis fiscaux de caribéens, qui me semble très grave dans mon historique, pas seulement pour les Canadiens, mais bon, pour tous ceux qui s'intéressent à la justice sociale quoi, dans le monde. Bon, donc, et moi, ce qui m'intéressait du point de vue de la philo, par contre, mais plus spécifique, c'est de me dire le problème est tellement grave, celui des paradis fiscaux. Il a une telle envergure, tellement vaste, tellement profond, qu'il nous force à redéfinir les mots qu'on utilise d'ordinaire pour penser la vie politique.
Donc là, c'était un mouvement inversé. Plutôt que de dire, voilà, je suis allé au cégep, puis éventuellement à l'université, puis on m'a inculqué un vocabulaire à propos de l'État, la citoyenneté, les corps intermédiaires, bon, les institutions publiques, la société civile, ainsi de suite. J'ai comme un vocabulaire type pour penser le monde, donc j'ai comme une grille, et je mobilise cette grille-là pour penser le réel. Là, il s'agissait au contraire de dire, non, le réel bouge tellement qu'il nous force à redéfinir les mots qu'on utilise d'ordinaire pour en parler. Ouais. Si on ne fait pas ça, on va être tout le temps décalé. Si on lit le contrat social de Rousseau ou le Léviathan de Hobbes, on trouve les paradis fiscaux nulle part. On trouve la mondialisation économique nulle part. Il faut complètement mettre à jour ce discours. Ce qui ne veut pas dire de liquider le passé, mais au contraire, de prendre appui dans le passé pour essayer de construire de nouvelles formes et faire ce que Gilles Deleuze attribue à l'activité philosophique, c'est-à-dire créer des concepts. Bon, et là, je me suis donc attelé sur ce plan-là, à ma mesure, là, à créer des concepts, quoi, pour arriver à penser ce que j'ai appelé des législations de complaisance par rapport à des notions en usage dans ces milieux-là, hein, en droit puis en pensée politique, qui m'apparaissaient provoquer de l'errance. Hein, quand on dit, par exemple, qu'il y a des investissements directs à l'étranger dans ces législations qui sont des paradis fiscaux, où on trouve des fondations caritatives et puis des sociétés exemptées, je me dis non, ce ne sont pas des législations, ce ne sont pas des investissements, ce ne sont pas des fondations caritatives, et cessons de parler de société. Tout ça, c'est un discours formel qui vise à dissimuler la nature de ce qui se passe vraiment dans ces États libertariens qui favorisent une escroquerie légalisée par la complaisance et la collaboration des États traditionnels, notoirement le Canada. Mais ce glissement-là, il s'est fait sur plusieurs années. Est-ce que ça fait longtemps que c'est actif autant que ça, les paradis fiscaux, les législations de complaisance, c'est récent? Sur un mode non folklorique, là, parce qu'il y a eu des cas comme ça, un peu marginaux, puis j'en ferai pas toute l'histoire, les îles Caïmans, l'île de Man, tout ça. Mais on peut vraiment situer l'essor des paradis fiscaux tels qu'on les connaît aujourd'hui par rapport à leur ampleur, leur importance, leur influence, et l'usage qui en sont faits par des Occidentaux. Hein. Le problème, c'est pas... les Libériens ou les Bahamiens. Le problème, c'est les Canadiens et les Américains qui ont téléguidé les législations là-bas pour qu'elles ressemblent à ce que l'establishment souhaite avoir comme pays de rêve. Ça date très clairement de la deuxième moitié du 20e siècle, quand il y a eu comme deux éléments déclencheurs. Là. D'une part, on a eu, notamment en Europe, là, les euro-dollars hein, liés au plan Marshall. Hein, c'est une histoire qu'on connaît. La fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est détruite, a été bombardée de toutes parts. Il faut tout reconstruire, des ponts, des usines, des écoles, tout est à reconstruire. Quoi. Bon, alors qu'est-ce que font les Américains? Ils débloquent 14 milliards de dollars de l'époque, et le donnent aux pays européens, y compris l'Allemagne. C'est 14 milliards. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les Américains ont amputé 14 milliards de dollars de leur masse monétaire pour les donner aux Européens? Ils n'ont pas cette générosité-là. Simplement activé la planche à billets. Ils ont créé de toutes parts 14 milliards de dollars. Hors marché intérieur. Et donc, on a créé ce qu'on a appelé les euro-dollars. Les Américains ne voulaient pas rapatrier ensuite ces dollars-là. Ça aurait créé une vague inflationniste chez eux. Il fallait que ces dollars-là restent mondiaux. Et on a fait la devise américaine, hein, la référence monétaire mondiale. Et c'est là que le secrétaire au Trésor aux États-Unis a dit cette phrase célèbre, « Le dollar, c'est notre devise, mais c'est votre problème, parce que vous en avez tous. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même s'il y a des attaques spéculatives sur le dollar, sur le marché financier, le président de la Fed, il joue aux fléchettes, il joue aux cartes, il fait rien. Pourquoi? Parce que tout le monde a des dollars. Les Chinois, les Français, les Allemands, les Argentins, tout le monde a intérêt à ce que cette devise-là vale beaucoup, parce qu'ils en ont leur coffre. Ce qui n'est pas le cas de l'euro, par exemple. L'euro a beau être une monnaie théoriquement plus forte que le dollar, il y a beaucoup moins d'acteurs sociaux influents qui en disposent et qui ont intérêt donc à ce que cette monnaie soit forte. Donc, elle ne sera pas défendue si elle est attaquée. Je ne savais pas que c'était à cause de ça. Donc, ça a commencé là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois que des banquiers, tout d'un coup, disposaient massivement de fonds émis dans une devise qui n'était pas celle de leur État. Des banquiers allemands qui gèrent des dollars, des banquiers français qui gèrent des dollars, des Belges, des Italiens, ainsi de suite. Et donc, on a concentré ces capitaux-là d'abord à Londres, et ensuite, dans la logique du Commonwealth, des banquiers canadiens, qui pour des raisons historiques étaient massivement implantés dans les Caraïbes britanniques, ont amené les législateurs sur place, qui est totalement corruptible, à voter des lois pour leur permettre de disposer de ces capitaux-là hors législation.
Donc, on avait parlé de la planète financière. Des gens extrêmement puissants, extrêmement nantis, qui pouvaient disposer de fonds sans être encadrés par quelque État que ce soit. Et parallèlement à ça, il y a eu, ça peut sembler sulfureux, mais je le dis le plus rigoureusement du monde, il y a eu l'arrestation d'Al Capone sur un plan fiscal. Al Capone n'a pas été arrêté pour des raisons criminelles, pour des raisons fiscales. Ce qui a donné à penser au crime organisé aux États-Unis, Meyer Lansky notamment, qu'il valait mieux déterritorialiser les fonds de la mafia dans des casinos à Cuba jusqu'à ce qu'en 59, un petit incident amène... c'est ça, les mêmes acteurs à déménager leur casino aux Bahamas grâce à l'activisme de banquiers canadiens. Parce que tout le monde en paradis fiscaux, la filière canadienne. Et donc là, on a les capitaux de la mafia qui abondent dans la Caraïbe britannique, ainsi que les euro-dollars. Hein, donc, et le monde mafieux et une sorte de mafia formelle qui est le secteur bancaire. Et donc, vous avez ce mélange-là qui crée l'essor des paradis fiscaux grâce à des acteurs canadiens, un ancien ministre des Finances quand même, Donald Fleming du Canada, c'est pas rien, hein, qui est un artisan dans l'élaboration des lois. Là-bas, en collaboration avec le ministre des Finances des Bahamas, qui est en même temps membre du conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Donc là, on est là comme toute une synergie qui est faite pour favoriser l'essor de pays qui sont strictement dédiés à la croissance du capital, quels que soient les coûts sociaux, écologiques, fiscaux pour les peuples, parce qu'on est complètement à la marge des États traditionnels. Ça a commencé là. Okay. Et aujourd'hui, ça s'est poursuivi. Aujourd'hui, le Canada est toujours un ami des paradis fiscaux. Il partage son siège à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international avec 12 paradis fiscaux. Il parle en leur nom. Il est un paradis fiscal lui-même dans le secteur minier. Oui. Donc, avec les actions accréditives et toutes sortes c'est un pays totalement hypocrite, quoi. C'est un pays qui se présente... Et moi, je dis toujours que le Canada est pire que les autres parce qu'il se présente comme étant meilleur. Ouais. Alors qu'il est identique aux autres, aux pays impérialistes, là, aux néo-impérialistes. Mais écoute, moi, je peux pas comprendre totalement. C'est difficile. C'est des gros chiffres quand même. Tu sais, mettons, dans le livre, tu dis qu'il y a 21 000 milliards qui seraient à peu près là, dans les paradis fiscaux environ. Mais ça fait pas en sorte que l'économie peut s'effondrer. Je veux dire, tout cet argent-là, elle circule pas, elle est pas en train de faire vivre des gens, elle est pas active. Je veux dire, c'est comme... Faut pas penser que parce que l'argent, les capitaux sont dans les paradis fiscaux, qu'ils sont dissimulés dans le sable, dans les coffres forts. Simplement que, par exemple, une grande entreprise, Total, Bombardier, Monsanto, Microsoft, peu importe, peut avoir des milliards dans des comptes aux Bahamas, au Luxembourg, aux Bermudes, et en disposer. Régler des factures, payer des salaires, acheter des matériaux, investir à la bourse. C'est que l'économie, ce qu'on appelle l'économie abusivement, parce que pour moi c'est la destruction, c'est l'intendance, l'économie c'est pas ça. Mais bien, l'intendance du capital aujourd'hui est administrée depuis des pays où les populations, les citoyens n'ont aucun contrôle. Mm-hmm. C'est pas de l'argent qui dort. C'est que tout le capitalisme est organisé depuis des législations de complaisance. Et donc, c'est une sorte de rupture. Bon, je ne parlerai pas de démocratie, parce que je pense vraiment qu'on n'y est pas, mais c'est une rupture avec juste le principe libéral de droite, là, de l'État de droit. Ouais. Donc là, il y a un État de droit là, qui est totalement à la marge de la façon dont le capital est administré. Les grandes entreprises ont leurs capitaux et disposent leurs capitaux et jouent avec leurs capitaux en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie, hors structure législative. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que c'est quand tu payes pas, tu payes pas tes impôts, finalement, ça sera pas réinvesti dans la société, puis éventuellement, ça va péter, tout ça. Ça peut pas... les petites gens peuvent pas pallier à l'infini. C'est toujours de plus en plus qu'on a de poids sur les épaules. Éventuellement, ça ne fonctionnera plus, non? Ça fait un conseil des arts qui a un budget famélique, ça fait des écoles qui ont de la moisissure, ça fait des infirmières qui sont crevées parce qu'on leur demande de faire 3/4 de travail de suite. Ça fait une société qui est aussi complètement délitée parce qu'elle ne se reconnaît pas dans ses institutions publiques. Je peux comprendre très facilement les gens qui disent « je ne vais pas voter ». Je trouve ça un peu déprimant parce que je n'ai pas l'impression qu'on avance en disant ça. Mais je le comprends très bien, bien évidemment. C'est un cirque. Pourquoi j'adhérerais à ces institutions qui, de toute façon, sont totalement
totalement inféodé au capital. Donc, le lobby, c'est même plus, il n'y a même plus de lobbying. Les lobbyistes ont pris le pouvoir. Quand le gars il vient d'Air Transat, puis l'autre vient de la banque Rothschild, puis l'autre, c'est un crétin de l'immobilier. C'est incroyable. Puis, c'est en ce nom, au nom de cette prétendue compétence qu'ils sont rendus là, à être des pompiers pyromanes, parce qu'ils ne croient pas en l'État social, ces gens-là. Ils croient en son démantèlement. On vote pour eux alors qu'ils haïssent l'État, si ce n'est que pour supporter Bombardier, puis les grands groupes. Donc, ça. Il y a quelque chose de décourageant. Bon, c'est pas en se retirant continuellement dans la marche non plus qu'on fait avancer. Donc, il y a vraiment des défis là, qui consistent, mais ça, beaucoup de gens le comprennent. Ça, ceux qui votent pas, je suis sur le point de faire partie. on peut toujours trouver. Je pense que voter pour Québec solidaire, c'est fort pertinent, mais en même temps, on voit bien que les résultats tardent à venir parce qu'il faudra un coup de barre radical de la population. Là, va falloir. Puis le temps qu'on se rende là, Québec solidaire va être rendu un parti comme les autres, peut-être. Ou l'effondrement va faire en sorte qu'on ne sait même pas si l'État aura forme qu'il a aujourd'hui. Ouais. Il y a une course contre la montre, là, du point de vue climatique, du point de vue de l'érosion des sols, du point de vue de l'avancée du désert, du point de vue de la fonte des glaciers, du point de vue de la disparition des forêts, du point de vue de la disparition des abeilles, et des insectes et d'autres espèces plus visibles. C'est tellement apocalyptique qu'on finit par en devenir insensible. C'est quand même paradoxal. Mais donc, il y a une telle urgence que je comprends qu'on se dise finalement, c'est pas par ce biais-là qui résulte dans l'élection d'un insignifiant comme François Legault qu'on va arriver à quelque chose. Donc quoi? Et l'important, c'est d'être quand même encore en tension vers des élaborations créatives, vers des formes nouvelles qui sont marginales au début, évidemment, étant donné nos moyens, mais qui seront sûrement les prototypes des solutions de demain. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut... Moi, je pense que j'en suis personnellement à penser plus en fonction de ce qu'il faut... de la façon dont il faudra bien remplacer tout ça, ou réformer radicalement toutes ces structures là, vétustes et fatiguées et totalement corrompues. Donc, dans une sorte de social-démocratie un peu comme ça poussive, où il s'agirait de modifier deux, trois règlements. Patcher les trous, puis tout ça, On n'en est plus là. Pour en revenir au paradis fiscaux, j'avais quand même une question qui est assez technique. J'ai de la misère à comprendre. T'sais, des fois, je lis des articles, puis mettons Netflix ou Spotify, puis tout ça, sont comme « Ah, nous autres, on est à perte. On fait pas d'argent, puis ça. » Puis là, t'es comme « OK. » Mais fait que dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils déclarent qu'ils font des pertes, puis tout ça, puis ils vont cacher l'argent. Ailleurs, comment ça fonctionne exactement? Comment tu peux pouvoir cacher ton argent? Moi, je veux dire, si je paye 3% d'impôts, ça va venir cogner chez nous, ils vont fouiller dans mes papiers, là, ça sera pas trop long. Il y a beaucoup d'astuces. Là. Il est difficile de réduire toutes les stratégies d'évitement fiscal à une seule, mais il y en a une qui était très, très courante. Mais pour cela, il faut simplement revenir sur certaines notions en se disant déjà que les multinationales n'existent pas. Bon, il faut juste le comprendre. Québécois n'existe pas. Okay. Bombardier n'existe pas. Total n'existe pas. Monsanto n'existe pas. Comme entité une, n'existe pas comme existe le dépanneur du coin. Entité une. Il n'y a rien dans le monde là, qui s'appelle Monsanto et qui existe sous une forme unique. C'est un réseau de sociétés implantées dans différents pays du monde qui sont, elles, ces sociétés-là, indépendantes les unes des autres. Il y a un lien de solidarité financière et actionnarial entre ces structures qui sont créées dans le monde, mais le réseau comme tel n'est pas un sujet de droit. Donc, c'est un gros problème. Il n'y a pas de législation ou de juridiction, c'est-à-dire de parlement ou de tribunaux, qui peuvent assigner le réseau. Tout ce qui existe, c'est les structures. Moi, je dis toujours, en droit, on voit les tentacules, on ne voit pas la pieuvre. Qui n'ont jamais la tête. Non, c'est ça. Il n'y a pas de cerveau. Il y a juste le tentacule au Brésil, il y a le tentacule au Canada, il y a le tentacule en Allemagne. Ouais, on peut taper ses tentacules, mais jamais sa tête. C'est ça. Et elles sont indépendantes les unes des autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des entités indépendantes qui peuvent s'envoyer des factures, prêter de l'argent avec intérêt entre elles. La moitié des transactions financières internationales sont intra-groupe, entre structures. Je vous donne un exemple concret. Starbucks au Royaume-Uni peut très bien prétendre ne pas faire de profit aux États-Unis, au Royaume-Uni. Puis c'est pas parce que c'est les mêmes trois clients qui têtent leur café, là. C'est parce que les droits de propriété intellectuelle de la marque Starbucks puis du logo appartiennent à une filiale offshore et elle envoie des factures salées. Ce qui permet à l'entité Starbucks du Royaume-Uni, qui est autonome en droit,
de dire au fisc, oui, j'ai un volume impressionnant, certainement, mais si vous voyez les factures hey, on que sait pas je reçois de la filiale, oh, ils abusent, hein? Et là, ça équivaut exactement à mon profit. Tout le temps. Oui, c'est ça, ça fluctue. À peu près. Donc là, on transfère les fonds sur la base de ce règlement-là aux Bermudes, disons, où le taux d'imposition est de 0%. Et on prétend, on déclare nul revenu au Royaume-Uni. OK, fait que c'est une espèce de mascarade, une espèce de cirque qu'on jongle avec ça. Des balles. Oui, exactement. Puis on fait en sorte que les balles tombent tout le temps là où il n'y a pas d'impôts. Et les important. Subventions viennent toujours des pays où on ne paye pas d'impôts. Ouais. Bon, dans le sens où on déclare rien. Il y a d'autres aussi méthodes. Hein. Vous avez des clients à l'échelle internationale, vous produisez un bien au Canada, mais la facture provient de la filiale La Barbade. Ouais. Donc, là, on honore le dû auprès de la filiale barbadienne plutôt que canadienne. Ouais. Donc les fonds se retrouvent là-bas. Ils sont imposés à 1%. C'est dégueulasse. Après ça, on les transfère au Canada. Puis comme le gouvernement canadien a signé un accord pour lutter contre la double imposition pour pas que le même capital soit imposé deux fois, ben, la société a beau jeu de dire ben, « j'ai déjà payé mes impôts à la Barbade ». Je suis correct. Bon, après ça, il y a un droit... On peut plus ou moins le faire formellement parce qu'en droit, on est censé être vraiment présent sur place, mais c'est de moins en moins vrai. Dans le domaine de l'assurance, par exemple, ça cesse de l'être. Et d'autre part, de toute façon, il n'y a aucun contrôle. Quand on regarde année après année la liste des pays où les entreprises canadiennes, entre guillemets, investissent le plus dans le monde, la Barbade, très souvent, arrive en deuxième position après les États-Unis. Les capitaux canadiens, là, sont jugulés vers la Barbade pour financer je ne sais trop quel projet industriel, parce que quand on y va, à part des banques canadiennes, on voit rien. Il y a une ville souterraine. c'est ça, c'est quelque chose, il faudrait l'imaginer comme ouais, ça. Ouais. Mais est-ce que le gouvernement lutte pas un peu contre les paradis fiscaux? Parce que j'avais vu que, je pense que c'est l'OBLA qui est poursuivi par le gouvernement du Canada, je pense que c'est pour 400 millions qui n'ont pas payé en impôts. Ça arrive des fois, c'est-tu des exceptions, ça? Souvent, d'ailleurs, plus on est riche, plus on peut négocier. Quand on négocie une absence de trace au dossier, une absence de pénalité, des intérêts à la baisse, on paye ses impôts parce qu'on s'est fait prendre. Mm-hmm. C'est ce qui est arrivé avec les clients de la firme KPMG à l'Île-de-Mans. Okay. Ils ont juste mal rempli leur truc. Le signal qui est envoyé, très clairement, c'est que si vous vous faites prendre, ben vous paierez ce que vous auriez dû payer si vous vous étiez pas fait prendre. Oui, ouais, c'est absurde. Il n'y a pas de pénalité. En tout cas, certains se sont arrangés pour qu'il n'y en ait pas. C'est peut-être pas aussi systématique que je le laisse entendre, mais il y a ce rapport de force-là qu'on n'aura jamais, nous, comme contribuables de la classe moyenne. Mm-hmm. Donc on voit bien, d'une part, il y a cela, et d'autre part, il y a surtout, des règlements, des ententes internationales avec des paradis fiscaux, des modalités qui permettent aux détenteurs de fortune et surtout aux grandes entreprises, en plus aux entités qu'aux particuliers, de contourner le fisc légalement. Ouais. C'est comme si tu dis à ton employeur, bon, OK, je suis ici à Montréal, toi, t'es à Montréal, on travaille à Montréal, notre public est à Montréal, toute notre activité à Montréal, mais j'ai ouvert un compte au Belize. Donc, si tu voulais envoyer mon chèque de paye là-bas, ça fait mon affaire, tirer de l'argent de temps en temps, tiens. On peut pas faire ça comme particulier. Les entreprises, c'est pas aussi grossier, mais les entreprises dans des espèces de montages là, dont les comptables sont passés maîtres, dans lesquels ils sont passés maîtres, permet ce genre d'entourloupe. Oui, mais tu penses que les gens prennent pas la mesure de ce que ça veut dire, tout ça? T'sais, parce que dans le fond, quand on y pense, ça veut dire que nous, on finance certaines compagnies, certaines multinationales, parce qu'on leur paye des routes, des écoles, des hôpitaux. Je veux dire, c'est nous on leur fournit des infrastructures. Eux, ils nous redonnent jamais absolument rien. Ils viennent... C'est le plus scandaleux, là. J'énumère souvent les coûts pour les populations. Ça, c'est juste le début, quand on dit, ils transfèrent des milliards de dollars au cumul dans les paradis fiscaux sans payer d'impôts, donc on ne peut pas l'imposer, donc ça manque à gagner. Ça, c'est juste le début, parce qu'après ça, l'État fait semblant d'être impuissant face à ce phénomène, ce qui est faux, mais on fait semblant. Les Trudeau, les Harper, et puis en plus les gouvernements provinciaux qu'on a maintenant méritent vraiment
l'épithète de province là, pour les vécus. Hein. Donc là, lui, il ne se passe rien de ce côté-là non plus. Donc qu'est-ce qu'ils font plutôt que de lutter contre les paradis fiscaux? Il y aurait mille façons de le faire. Hein. Ils entrent en compétition avec eux. Ils disent, ben, nous aussi, on va réduire le taux d'imposition sur le revenu des entreprises. Parce qu'on va devenir ça, nous aussi des parce que on va éviter que le capital fuit. Ouais. Bon, on va imiter les paradis fiscaux pour lui donner les avantages presque similaires. Hein, du coup, on passe de, je ne sais plus, mais, 38% à 15% en quelques années. Donc là, il y a un manque à gagner dans le trésor public. Là, qu'est-ce qu'on fait? On emprunte sur les marchés des fonds qui manquent auprès de ceux qu'on n'impose plus. Pas seulement les banques, mais les entreprises. Là, c'est le monde à l'envers. Donc ça, c'est rendu les contribuables qui, au titre du service de la dette, versent des intérêts, un pourcentage aux entreprises qui nous prêtent de l'argent parce qu'on ne les impose plus. Et là, ça finit. Et on n'arrive jamais à équilibrer le budget. Ces gens-là sont ingénieux pour faire de l'argent. C'est comme à l'infini. C'est exponentiel. C'est incroyable. Oh, mais tous les moyens sont bons. Et ensuite, on n'arrive toujours pas à boucler le budget. Alors, il y a des nouveaux coûts. Les coûts, c'est quoi? C'est les suppressions de services. Ouais. Ou les tarifs. Hein? L'augmentation des droits d'inscription à l'université sont liés directement aux paradis fiscaux. Mm-hmm. Puis, il y a quelque chose d'idéologique aussi. On se dit, ben, si ça coûte cher, les gens vont aller moins en anthropologie, en sociologie, en littérature. Ils vont aller en droit, en génie. Donc, c'est mieux pour nous. Bon, il y a quelque chose comme un incitatif, parce que ça ne coûterait pas cher. Là, la gratuité, c'est universitaire. Là, c'est pas un enjeu budgétaire, c'est idéologique. Donc là, on est face à une sorte de machination un stratagème là, qui fonctionne. Et bon, je pense qu'il faut prendre la mesure de ces enjeux-là. Tu m'as demandé d'entrée de jeu pourquoi j'ai accepté sans résister là, ton aimable invitation. C'est aussi parce que moi, je milite depuis longtemps pour qu'on parle de ces enjeux-là dans tous les milieux sociaux. Mm-hmm. Les artistes, les étudiants, les syndicats qui sont étrangement... Même s'ils financent des groupes, je pense aux chefs syndicaux qui sont étrangement muets sur cette question-là, alors que ça devrait être même un objet de négociation une convention collective. Oui, totalement. Quitte à forcer un peu le droit, là, c'est d'être ce juriste orthodoxe. Hein. Les travailleurs sociaux, les combien d'acteurs ont des raisons dans le domaine maritime, dans le domaine du logement, dans le domaine de l'agriculture, qui ont des raisons de s'inquiéter du phénomène. Et donc, j'attends encore, moi, que de tout bord, tout côté, ça pète, ouais. Des raisonnements, des revendications, des discours fort explicites sur le problème des paradis fiscaux, en tant que le problème des paradis fiscaux concerne spécifiquement telle ou telle catégorie d'une manière particulière. Ouais. Donc là, il faudrait dire, les agriculteurs ne vont pas parler des paradis fiscaux de la même manière que l'Union des artistes. Enfin, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, mais qu'on soit capable d'une analyse sectorielle pour qu'au cumul, tout le monde en parle d'une manière spécifique, tout en convergeant vers un discours de lutte contre le phénomène. Mm-hmm. Et ce serait assez facile de lutter contre les paradis fiscaux, il suffit de le vouloir. Ouais. Est-ce que tu crois les politiciens qui disent qu'ils vouloir lutter pour les paradis fiscaux? Il y a Marois Risky, là, quand même, qui en parle pas mal, qui finalement a fini chez les libéraux. On ne sait pas trop mais Marois pourquoi. Risky, mais... oui, je dirais, elle a été une compagne de lutte pendant un temps. Quand c'est trouvé chez les libéraux, tout d'un coup, elle trouvait que c'était tout à fait normal que Philippe Couillard ait placé son argent à l'île Jersey. Ouais, ben c'est ça. En travaillant comme travailleur autonome dans cette grande démocratie qu'est l'Arabie Saoudite. Il a fait 600 000 $ en je sais plus combien d'années. C'est crédible, ça. on peut pas vérifier. Ouais. Mais c'était légal. Donc, elle a je dirais pas virer sa veste absolument, parce que je pense qu'il y a un fond. Elle va continuer. Elle a intégré le discours pour pouvoir peut-être faire passer sa lutte, j'imagine. Elle a joué le jeu. Ouais, ben c'est ça. Elle a joué exactement. Le jeu. Pas le choix. Et je veux dire, je pense qu'elle est. Moi, ce qui me gêne le plus, là, c'est pas tellement qu'elle. Qu'elle soit chez les libéraux, même si... je pense qu'il y a là, chez les libéraux, une culture mafieuse qui est tout à fait observable là, dans l'histoire récente, même. Et qui, je veux dire, quand on a un ancien ministre de la Santé qui pactise avec Arthur Porter avant de revenir dans les affaires publiques, qui est vraiment pas au clair sur des logiques d'influence... Bon, je ne sais pas comment on qualifie la chose, mais j'y vois pas là le meilleur vecteur pour des transformations, même si on se réclame de Jean Lesage, là, qui est devenu une incantation. C'est maintenant complètement gangréné, là, cette partie-là. Non, bon, je ne comprends pas son choix. Je ne comprends pas non plus. Surtout là, bon, je vois un carriérisme à l'œuvre. Là, je ne comprends pas qu'elle soit allée au palier provincial.
Ouais. Si c'est cet enjeu-là qui compte. Là. Il faut absolument être au fédéral. Les libéraux fédéraux ne voulaient pas d'elle, probablement parce qu'ils ont compris qu'elle serait à même de faire bouger les lignes, ce qu'ils ne voulaient pas. Diane Le Boutillier est beaucoup plus efficace pour assurer l'inertie. Bon, elle est très compétente en matière d'inertie, Diane Le Boutillier, donc c'est mieux qu'elle soit là que Marois Risky, donc on a fait le bon choix en fonction de ses fins. Donc, il y a lieu d'aller dans d'autres parties. Ah, fait, tu penses que le Parti démocratique aurait été plus à même d'accueillir une voix comme la sienne pour effectivement promettre des changements, au moins partiels. Fait que tu penses qu'au provincial, finalement, ils ont dit « Bah, tu peux venir ici, tu peux en parler, parce que de toute manière, tu peux pas rien changer. » Je sais pas ce qu'on s'est dit du tout, mais en tout cas, sur cette question-là des paradis fiscaux, elle est certainement dans le mauvais parti et dans le mauvais palier. Ce qui en dit long, je pense, sur son flair politique. À moins qu'elle ait d'autres, d'autres dessins. Un plan. Un plan qui m'échappe. Je sais pas ma compétence de l'analyser. Je lui donne le bénéfice du doute. On lui souhaite bonne chance. Mais et à part ça, et puis c'est pas, vous parliez des politiques, là, elle est vraiment pas une politique plus représentative, quoi. Je pense qu'elle est assez singulière. Mm-hmm. Je pense que, grosso modo, elle représente un vent de fraîcheur, là, avec un franc-parler, puis c'est vraiment bienvenu, somme toute. Mais d'une manière plus générale, je veux dire, ceux que je crois, quand il s'agit de faire la lutte aux paradis fiscaux, sur un mode ou un autre, à un degré ou un autre, ce sera comme Guy Caron du Nouveau Parti démocratique, je suis certain. Je connais pas. Et puis... Et malheureusement, j'espère qu'il me le pardonnera, mais son collègue aussi qui porte le dossier, dont là j'oublie le nom tout de suite, mais un député fort vaillant là, qui milite là-dessus, j'essaie de me rappeler son nom, malheureusement il m'échappe. Bon, mais enfin, c'est des gens au Nouveau Parti démocratique fédéral, il y a des gens qui font vraiment l'analyse comme quoi c'est un problème pour les finances publiques, quoi, de laisser tout ça. Bon, mais je ne sais pas ensuite jusqu'où ils sont prêts à aller, mais il y a un vrai problème qui n'est pas seulement technique à mon sens, mais diplomatique. Faut vraiment faire pression sur les Bermudes pour qu'on cesse aux Bermudes de voter des lois qui portent sur la façon dont le capital généré au Canada est administré. Il y a des façons vraiment de lutter contre des formes d'ingérence politique. Il faut être capable de concevoir ça. Il y a eu, à une certaine époque, au Bloc québécois, des gens vraiment déterminés à lutter contre le phénomène, mais maintenant, il s'agit d'un champ de ruines. Bon, c'est sûr que Gabriel Sainte-Marie, au Bloc québécois, par contre, est quelqu'un de très solide sur ces questions-là. Donc, lui, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, quoi. Bon, au moins pour porter le discours, mais vraiment... Il y en a quelques-uns, quand même, Puis, bon, chez Québec solidaire, c'est une question... qui est centrale dans le diagnostic et la critique. Donc, c'est un parti en qui il y a lieu d'avoir foi, là, tout à fait, sur cette question-là. Au Parti québécois, j'ai senti, et dans la députation d'arrière-ban des libéraux, là, je ne sais pas si c'était par contre rhétorique et stratégique, là, mais en tout cas, au Parti québécois, j'ai senti, avant que lui aussi ne s'affaisse, là, une volonté, en tout cas, d'aborder la question. Il y avait... Donc, ça bouge. Ce qui est intéressant, c'est que partout, dans le milieu communautaire, dans le milieu universitaire, dans le milieu agricole, dans les réseaux communautaires, dans le monde politique, partout, il y a des antennes qui se créent sur ces questions-là. Mais on n'a pas encore atteint le point où on est capable là, d'une sorte de synergie là, avant qu'il soit vraiment trop tard, quoi. Là, il faudrait vraiment beaucoup de volonté là, pour à l'échelle internationale, mais aussi juste du point de vue du Québec là, et du Canada, là, pour au moins commencer à bouger. Il y a des choses qui supposent une synergie internationale, il y a des choses qui n'en supposent pas. On peut tout de suite mettre fin à des accords insensés avec des paradis fiscaux. On peut tout de suite avoir un taux d'imposition vraiment raisonnable. Dans une logique social-démocrate, là, qui ne relève pas de mes fantasmes. C'est juste un peu comme ça. Si on est dans la réelle politique, là, moi, je pense qu'il faut complètement... je pense qu'il faut démanteler le Canada et tout recommencer. Ça, c'est ma position. Mais disons, si on est dans la réelle politique, il y a des choses qu'on peut néanmoins faire tout de suite. Là. Et je pense que ces gens-là sont des interlocuteurs... raisonnable, fiable.
Vraiment crédible, là, puis engagé. Okay. Puis par ailleurs, par contre, il y a une analyse d'un autre ordre qu'on peut faire là, qui porte plus sur le stress écologique qui est le nôtre, sur les perspectives comme ça de changement liées à la décroissance et à la transition, qui suppose aussi un État fort qui soit capable d'avoir une sorte d'autorité symbolique donc, pour... ce ne sera pas nécessairement le Québec et le Canada tel qu'on le pense aujourd'hui, parce qu'il risque d'avoir une telle des mutations. Là. On est dans un siècle là, qui va être assez bouleversé. Là. Ça va brasser, donc, je ne sais pas, mais il faudra à un moment donné qu'on soit capable, à une échelle ou une autre, de s'organiser de façon à réorganiser complètement nos modes de vie. Sur le plan de la production, de la distribution, de l'engagement, de l'effort, de la concertation. Qui supposera beaucoup de créativité. En même temps, je trouve très inquiétant, je trouve qu'il y a là une chance là, qui s'annonce là, pour réorganiser les choses. Entre-temps, si les gens veulent faire de la social-démocratie puis aller chercher un peu plus d'impôts pour qu'on soit capable de s'organiser mieux, puis peut-être justement de gérer, de relancer le train, par exemple, juste ça, de se donner des infrastructures pour être capable de se mesurer à la crise écologique qui vient. Ça serait déjà ça de gagner quoi, pour tout le monde. Ouais, Alain, on parle on a parlé de paradis fiscaux, on a parlé de la médiocratie, puis ça, mais finalement, le problème qui revient tout le temps, c'est les grosses entreprises. Les grosses entreprises, c'est le nœud du problème. C'est eux qui instaurent cette espèce de système. Ce système-là, je lisais dans un de tes livres, je pense que c'est Faire l'économie de la haine, je pense, que tu parles que maintenant, des grosses entreprises engagent des armées, des espèces de mercenaires. C'est quand même hallucinant ça. En fait, moi j'avais déjà entendu parler de ça, je pense que c'est Coca-Cola qui a déjà engagé une milice en Colombie pour assassiner des gens qui voulaient se syndiquer. C'est comme ce qui est scandaleux. Ça a l'air de scandaliser personne parce que c'est pas vraiment su, mais c'est une pratique qui est courante maintenant, les grosses entreprises qui s'engagent une armée personnelle finalement. Oui, c'est-à-dire que les entreprises sont à penser. Désormais, les multinationales ou les entreprises dans des domaines névralgiques, là, les mines de pétrole, bon, sont à concevoir comme des souverainetés. C'est un problème de les voir strictement comme des entreprises. Ouais. Ce sont des pouvoirs d'un type nouveau et qu'il faut penser par rapport à des attributs spécifiques. C'est-à-dire que ce ne sont pas des États, on le sait. Non, non, mais... Leur rapport à la loi n'est pas... celui des États. L'exercice du pouvoir qui est le leur ne se compare pas tout à fait à celui des États. C'est-à-dire qu'on a toute une formation, finalement, à l'école, puis dans le discours public, à peu près, là, sur l'État. Tu sais, si on s'en donne la peine, on arrive assez bien à comprendre comment il fonctionne. On est assez démunis quand vient le temps de penser les multinationales. Et pourtant, ce sont des pouvoirs souvent beaucoup plus imposants que les États. Ce sont des pouvoirs. Bon. Et donc, il y a comme prérogative, effectivement, la force, la coercition, l'armée. Bon, ben, c'est pas une armée nationale. Qu'est-ce que ce sont des firmes de sécurité, des firmes de mercenaires. Il y a Executive Outcomes, qui est en partie une créature canadienne, liée à Heritage Oil. Tony Buckingham, qui est un Britannique, qui a beaucoup géré ses activités depuis le Canada. On en a eu d'autres par après. Et donc, effectivement, et cela témoigne. Moi, c'est surtout ça qui m'impressionne. Cela témoigne de l'accession des grandes multinationales au rang de pouvoir souverain. Et ensuite, il y a d'autres signes qui peuvent être plus anecdotiques, mais qui sont quand même parlants. Le numéro 1 de Total, Patrick Pouyanné, qui est reçu au Kremlin par Vladimir Poutine à la manière d'un chef d'État, avec un communiqué de presse après, dans lequel il dit qu'il représente la France. On a là des pouvoirs. Et au fond, qu'est-ce qui fait que ce sont des pouvoirs? C'est d'abord qu'ils arrivent à... Peut-être trois choses rapidement, ce serait toute une longue liste, ce serait une conférence, je vais vraiment être court. Là. Ouais. Mais d'une part, ils gèrent leurs activités depuis les paradis fiscaux. On en a parlé tout à l'heure. Donc, ils ont accès à des capitaux sans être encadrés par des États. Sans être non plus soumis à la loi qui nous concerne, nous, ici. Bon, ensuite... ils diversifient énormément les filières d'activités qui sont les leurs, parfois même en étant en contradiction
avec ce qu'ils font. Par exemple, Monsanto investit dans l'agriculture biologique. Ouais, ouais. Tu sais, Total investit dans les énergies renouvelables. Les éoliennes, les piles de pointe, les batteries de pointe dans les panneaux photovoltaïques, qui sont tous des domaines d'ailleurs pas du tout durables, hein, parce que on transfère la pression du champ de l'énergie au champ des mines. Ça demande beaucoup d'énergie pour faire ça. Ouais. Oui, et des mines, des terres rares, du lithium, etc. On passe du pétrole aux mines, quoi. On a un problème aussi grave. Ouais. Et ensuite, on se présente comme des gouvernements bis. Hein, ici, la Fondation Chagnon, la Fondation Total, tout. Là, on interfère avec l'État. C'est Québécois qui nous fournit toutes des archives cinématographiques. C'est Total en France qui finance la restauration d'une pièce au Louvre. Mais là, on a des pouvoirs qui finissent par quadriller la réalité sociale à tellement d'égards. Qui ont une main dans le courtage en finance, un tentacule dans dans ce qui serait les énergies de demain, un tentacule dans les bonnes vieilles filières traditionnelles, un tentacule dans les affaires sociales et politiques, un tentacule dans les affaires diplomatiques, la médiation de conflits, par exemple, à l'échelle internationale, là, dans la géopolitique, et qui finissent par aussi financer de manière occulte des campagnes électorales, des carrières politiques, à commanditer les grandes politiques, comme le cas spectaculaire de l'actuel président en France. Bon, donc on a des instances qui sont à penser comme des pouvoirs, un peu comme on le faisait avant la modernité, où on a comme tout mis l'attention complètement sur l'État, là, où on le sert, par exemple, là, en France. Vous voyez, au fond, peser sur lui des pouvoirs comme un millefeuille. Bon, il y avait l'Église, il y avait le royaume, mais il y avait aussi la seigneurie. Puis il pouvait y avoir des duchés, des pouvoirs comme ça qui se chamaillaient autour du territoire qu'il occupait, au-dessus même, sans nécessairement qu'il soit très clair là, de savoir quelles prérogatives relevaient de qui. Je n'avalise pas cette situation-là du tout, mais j'essaie de la comprendre. Si on essaie d'analyser ce dans quoi on est, on peut se dire qu'aujourd'hui, les souverainetés concernent à la fois ce qu'on appelle, de manière trop réductive, les entreprises, mais aussi un petit peu les États, de manière de plus en plus marginale, le secteur financier, des mafias, vraiment là, prégnantes, là, à Montréal, c'est assez clair, et le reste, quoi. Donc on sent qu'on est face à un millefeuille, et il faut apprendre à penser ces souverainetés-là, la souveraineté dans le pouvoir de prendre des décisions qui produisent un effet pour la majorité, quoi, pour la collectivité. Ouais, fait que finalement, le stratagème, c'est on démantèle un peu l'État, puis on patch les trous, puis on fait grandir notre pouvoir. C'est qu'est-ce qu'ils veulent éventuellement devenir des États eux-mêmes? On va pouvoir habiter dans l'État Coca-Cola? En fait, l'idée, c'est surtout pas de garder l'État actif. Démanteler à un moment donné, il pourra plus fonctionner. On veut pas l'État social, on veut pas la démocratie. Si t'enlèves une poutre, là, à chaque fois, la monnaie, le building va s'effondrer. Je pense qu'on tient à l'État, mais on ne veut pas d'État social et on ne veut pas d'État démocratique. On ne veut pas d'État qui représente une volonté populaire, qui aurait une souveraineté sur le cours historique des choses. On veut des États qui financent Bombardier quand Bombardier a besoin d'argent, qui soit une police d'assurance quand vient le temps d'acheter un oléoduc parce que plus personne ne veut l'acheter, mais qui a fait l'objet néanmoins de beaucoup d'investissements. On veut bien d'un État qui, au fond, légitime des politiques postcoloniales qui sont toujours en cours dans notre pays, qui n'est pas une démocratie ni même une république, mais une vulgaire colonie, un comptoir, c'est ça le Canada, et on veut bien d'une autorité qui donne un peu de lustre à ce pays finalement assez insignifiant. On veut bien que l'État soit là éventuellement pour mobiliser l'armée quand on en a besoin, pour financer aux frais des contribuables qui sont des dindons dans tout ça, un réseau diplomatique qui soutienne l'industrie minière par exemple. On en veut bien, mais en autant qu'on le téléguide. Et pendant ça là, nous, en outre, on érige une nouvelle forme de souveraineté où là, on s'arroge la finance. La finance devient à peu près dans une sorte d'entre-deux entre l'État, les pouvoirs publics et les banques privées. Hein. C'est une sorte de pouvoir souverain maintenant, coordonné par les deux. Formellement par l'État, mais avec une grande pression du domaine financier comme tel, de la culture financière. Ensuite, on va
on veut bien disposer d'un pouvoir sur la fixation des cours en ce qui concerne le pétrole, sur la gestion de l'agroalimentaire, c'est pas rien, sur la culture, hein, ce qu'on a transformé en industrie culturelle, hein, ouais. Et de divertissement. On veut bien disposer de pouvoir, c'est-à-dire légiférer, ben, peut-être pas légiférer, c'est pas le bon terme, mais délibérer et décider, hein, sur un mode autonome par rapport à des enjeux qui concernent tout le monde. Hein? Et l'État est là pour, en quelque sorte, donner une sorte d'encadrer la chose quand il faut ou complètement se soustraire quand on le souhaite. Et ça se passe pas sur un mode paranoïaque et complotiste dans une sorte d'officine où tout le monde décide de tout, mais sur la base d'intérêts bien compris, on finit par... reconnaître le rôle de chacun. Mais tu veux dire, c'est pas si compliqué que ça. Prenez le Parti libéral du Canada, là, qui a été porté au pouvoir, hein, dans l'actuelle législature. Vous avez emblématiquement, au niveau de la trésorerie de la campagne électorale, la dernière campagne électorale de ce parti-là, Bronfman et Colbert. Le ministre des Finances est dénommé... Morneau, hein, qui a des parts dans une firme financière de Toronto qui a son nom, hein, et qui a notamment des entités dans les paradis fiscaux. On apprend ensuite que des tractations motivées par SNC-Lavalin pour neutraliser les procédures de nature judiciaire, qui est une sorte de point d'iceberg. Là. On peut ensuite conjecturer, extrapoler sur tout le reste. Non, on voit bien que c'est le même monde. Et au fond, l'oligarchie, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste en trois piliers. C'est comme les trois pattes d'un tabouret. Hein, l'oligarchie, qu'est-ce que c'est? C'est d'une part le monde financier. Les grandes banques, évidemment, mais les institutions financières aussi, qui peuvent provenir de plus en plus du domaine industriel. General Electric, par exemple, fait de la finance, pas seulement des électroménagers, c'est devenu marginal. Donc, il y a des institutions financières, des fonds d'investissement, des hedge funds, ainsi de suite, bon, des fonds de couverture. Ensuite, il y a la grande industrie, hein, l'agroalimentaire, l'informatique, le transport, la distribution au détail, les mines... le pétrole, l'industrie lourde, là, la marchande. Bon. Et enfin, il y a, je dirais, les ministères clés des exécutifs politiques. C'est-à-dire que faut se rappeler que dans un gouvernement, le budget de l'État est monopolisé par à peu près 4-5 ministères. Les anciens combattants, la culture, le patrimoine, je ne sais trop quoi. C'est des ministères ça, symboliques. Ouais. Mais au fond, les ministères clés, qu'est-ce que c'est? C'est finances, éventuellement affaires étrangères. Peut-être la sécurité, le ministère de l'Intérieur, c'est de la police. Il y a quelques ministères clés comme ça qui sont toujours, au fond, représentés par des gens... de l'establishment. Vous n'aurez pas un horticulteur aux finances. Pour mettre un horticulteur, un ministère symbolique, ou une infirmière qui s'est fait élire dans son coin. Bon, il faut la représentativité, il faut une femme, il faut machin, il faut qu'elle soit quelqu'un des régions, faut qu'il y ait un Manitobain, il faut qu'il y ait... on va créer un gouvernement. Mais en fond, les ministères clés là, qui monopolisent tout, sont toujours occupés par des gens de la même catégorie sociale. On lâche pas le morceau là-dessus. Donc, eux, ils font partie de l'oligarchie aussi. Donc, et puis, c'est les mêmes gens. On est ministre des Finances quelques années, on retourne ensuite dans le domaine de l'investissement, tout en ayant des postes dans des conseils d'administration de grandes entreprises, dans l'industrie. Tu sais, c'est le même monde. Tout ça se peut. C'est ça, l'oligarchie. Ouais. Donc là, il n'y a pas une synergie dans le sens où... il peut arriver qu'on se concerte sur des choses très particulières, comme l'achat de l'oléoduc... Trent Mountain, je pense pas que ça s'est fait comme ça strictement dans une sorte de délibération politique. Il y a dû y avoir des tractations, c'est évident. Mais en ce qui concerne les affaires courantes, c'est qu'on a des intérêts bien compris. Tout le monde comprend que les grandes entreprises n'ont pas intérêt à payer des impôts, à faire face à des contraintes, à voir le salaire minimum augmenter, ainsi de suite. Donc, on se comprend là-dessus. On a besoin de parler sans s'entendre. Pas besoin de convergence d'intérêts. Ouais. Mais ça, en même temps, ces grandes entreprises-là, ils n'ont jamais de compte à rendre à personne. Je veux dire, quand on peut s'engager
créer une... Elle n'existe pas. Ouais, imagine. Non, mais c'est ça qui est fascinant. C'est Total. Moi, j'ai travaillé sur un cas, hein, Total. Pourquoi j'ai travaillé sur Total? C'est que je ne voulais pas parler des multinationales en parlant de toutes les multinationales, ouais. Mais d'aucune, en allant picorer pour... Le message se perd, donc... Ouais, ben j'aurais prêté le flanc à une critique qui aurait dit que je suis allé chercher les exemples qui convenaient à ma démonstration. Ouais. Je me suis en tenu à une société, Total. J'ai dit, tiens, c'est un cas d'école, puis il vaut pour les autres. Quoi. Bon, et là, qu'est-ce qu'on on voit? On voit comment... l'entreprise, finalement, est éclatée. Elle existe dans 130 pays. Elle est finalement fragmentée en 934 structures qui relèvent chacune d'un État particulier. Personne ne peut assigner et transcende les États. Parce que ce qui est fascinant avec les multinationales, que ce soit Total ou une autre, c'est qu'elles évoluent sur une échelle internationale. Elles pèsent de tout leur poids. Là où se trouve leur filiale, mais les législateurs, eux, n'ont de pouvoir que sur le tentacule. Ouais, donc, il n'y a pas d'autorité capable de légiférer à l'échelle sur laquelle se déploie le groupe, c'est-à-dire le monde. Hein? Mais le groupe, lui, pèse sur les affaires mondiales parce qu'il existe dans ses champs d'activité particuliers à cette échelle-là. Et donc, ça crée un rapport de force qui est inadéquat. Entre les législateurs, la France n'a absolument rien à dire sur ce que fait Total en Arabie Saoudite ou en Afrique du Sud ou au Myanmar. Rien. Ouais, ouais. Elle peut se donner des droits parfois extraterritoriaux, mais c'est timide, ça prend tout. Il y a tout un lobby pour bloquer ça. Hein, c'est un mode symbolique qu'autre chose. Mais la plupart du temps, dans la plupart des cas de figure, la France n'a rien à dire quant à Total. Si Total ferme, par exemple, des raffineries en France ou les laisse un petit peu comme ça à un état vétuste pour en ouvrir d'autres dans des pays du monde où il n'y a aucune... loi qui est digne de ce nom en ce qui concerne le droit du travail, par exemple, ou le droit de la personne. Donc là, on est face à un monde où la mondialisation a permis à des grands groupes d'exister sur une échelle sur laquelle il n'y a pas de contrôle public. Ouais. Mais c'est grave, c'est extrêmement dangereux. Je vous parlais du phénomène de génocide involontaire dans votre livre. Je veux dire, faut faire confiance à ces entreprises-là d'avoir une morale, des valeurs et tout ça. Je veux dire, ils n'en ont pas. C'est que le capital tout le temps, et c'est extrêmement... Est-ce qu'on pourrait qualifier ces grandes entreprises-là souvent de criminelles? Oui, tout à fait. On peut le qualifier dans la mesure où le crime est une notion qui n'appartient pas strictement au droit. Exactement. Émile Durkheim nous montre que c'est une notion sociologique et culturelle. Là. Effectivement, oui, tout à fait. On peut présenter comme étant criminel souvent, c'est d'ailleurs les processus d'accumulation du capital et les phénomènes de croissance, de toute façon. Je reviens à l'idée là, de leur faire confiance. Et, hélas, on en est là. Ouais. Et c'est pathétique. On croise les doigts. On avait des ONG, et puis parfois avec le soutien du gouvernement, qui, et c'est pas nécessairement bête de leur part, c'est simplement l'état des forces en présence, qui vont en être réduites à demander aux grandes organisations du capital, les multinationales, les banques, à se contenir elles-mêmes parce qu'il n'y a plus d'autorité capable de le faire. Ouais. On se dit, bon, mais puisque vous êtes souveraine, puisque vous faites ce que vous voulez, puisqu'il n'y a plus d'État pour vous encadrer à l'échelle sur laquelle vous vous trouvez, hein, ben, au moins contenez-vous vous-même. Soyez là, donc gentils. On crée des mesures volontaires, des pactes, des protocoles, toutes sortes de programmes de responsabilité sociale des entreprises, parce qu'on va dire, mais c'est vous qui êtes les seuls aujourd'hui à pouvoir avoir une autorité sur vous-même. Au moins, s'il vous plaît, abusez pas trop. Ouais. Mais c'est misérable comme position. Parce qu'on c'est un aveu d'échec, parce qu'on en est à montrer qu'il n'y a plus lieu de contraindre ces groupes-là, parce qu'ils constituent désormais des nouvelles formes de souveraineté. Ouais. En terminant, Alain, parce que, bon, c'est un podcast qui est super intéressant, mais ça peut être un peu déprimant aussi. Puis ça, c'est une question que tu te fais poser, je pense que t'aimes pas beaucoup, là, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'individu? Parce que, je veux dire, ça repose pas sur l'individu, puis on a déjà autant de poids sur les épaules. Mais qu'est-ce que... la question que j'aurais, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que moi, là, pas virer fou là-dedans? C'est plus ça, comme ça serait la base là, pour moi. Là, comment toi, tu fais pour recueillir toutes ces informations-là, colliger ça, puis ne pas être complètement déprimé, pas juste vouloir t'exclure et attendre la fin? Non, c'est sûr, je ne fournis pas encore les capsules de cyanure. Hein. Dans le livre, là, c'est ça pourrait être...
Non, mais disons que j'évolue aussi sur cette question-là parce qu'il y a eu des moments où elle m'a vraiment embêté. Il y a eu comme trois moments. Là, par un moment donné, j'ai voulu... faisant beaucoup de conférences, puis me faisant poser cette question-là systématique. Oui, les tons. Gens sont comme, s'il vous plaît, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais le faire. Ben, ma première réaction, c'est d'être navré par la question. Ouais. Bon, je le dis comme je le pense. Là. Je ne peux pas croire qu'on se fasse dire, quand même, moi, depuis que j'ai l'âge de raison, là, que tout va mal, que l'État social s'écroule, que nos écosystèmes sont devenus des poubelles à ciel ouvert. Dit que la corruption gangrène les institutions publiques et qu'on soit encore un État statique. Enfin, moi, je préfère encore discuter avec quelqu'un avec qui je suis en désaccord sur tel diagnostic, telle orientation, telle mouvance, telle visée, que d'être face à des gens totalement immobiles qui nous disent qu'est-ce qu'on veut faire. Un petit peu aussi comme si l'idée, c'était de se faire répondre, comme si c'était une question rhétorique, puis à laquelle il fallait répondre « rien, il n'y a rien à faire parce que c'est trop gros », ou bien dire ben, « signez la carte postale, écrivez à votre député ». Le petit, truc un peu rituel pour se dire ben, « j'ai fait ma BA politique, là je peux passer à autre chose ». Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne soit pas déjà collectivement en mouvement. Mais c'est plus le symptôme qui m'intéresse. Je ne suis pas en train de viser les gens et de dire bon, je ne veux pas être moraliste. Mais la question est un symptôme du problème. Oui, en fait, de dire pourquoi est-ce que, je ne sais pas, moi, au printemps 2012, personne ne disait qu'est-ce qu'on peut faire. On faisait des choses. On ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on va le faire. On pouvait toujours se dire non, on ne fait pas ça, non, on ne fait le pas comme ça, oui, c'est une bonne idée. Non, délibérer sur le mouvement. Mais quand dire qu'est-ce qu'on peut faire, c'est bon, il y a ça. Je dirais, sans passer par toutes les étapes, là, que il y a eu aussi, il y a eu comme un deuxième moment qui a consisté à calibrer la réponse en prenant en compte deux registres, un registre pragmatique, un registre critique. Le registre critique consiste à penser indépendamment de la faisabilité de ce qu'on pense, simplement pour avoir la liberté de penser. On peut penser sans nécessairement être dans le régime du problem solving, là, résolution de problèmes. On peut très bien penser sans nécessairement être en quelque sorte contraint par cet impératif-là et du coup contraint à rétrécir notre champ de réflexion pour être strictement dans l'ordre de l'action possible. Et je me situe là, moi, je me dis, la solution, c'est de démanteler les multinationales. La solution, c'est la dissolution. La solution, c'est de démanteler le Canada, qui est un État honteux, impérialiste, colonialiste et en plus hypocrite. Donc ça, c'est une solution. Bon, ça ne veut pas dire que demain matin, on va y arriver, mais au moins, il faut être capable de se le dire. On a un but au moins. Ensuite, être pragmatique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne jamais... Au fond, se congratuler des avancées que l'on fait tant qu'on n'arrive pas à ça. Sans pour autant néanmoins minimiser la portée de ce qu'on fait avec les efforts qui sont ceux qui sont à notre portée. Et donc, j'ai proposé des choses dans De quoi Total était la somme, par exemple. Là-dessus, on peut faire ça. Là-dessus, on peut faire ceci. Ce soit les paradis fiscaux. Il y a des choses un peu radicales qu'on peut faire, mais qui sont à notre portée. Ouais. Puis avec André Larouche, j'ai signé un rapport qui s'intitule Des solutions à notre portée. Donc, je suis pas contre le fait de penser sur un mode plus social-démocrate, et sur un mode de la réelle politique. Sans perdre de vue sur un plan critique, l'horizon d'attente. Le but à atteindre. Une sorte de finalité plus exigeante intellectuellement, même si... Parce que sinon, on fait juste régler des petits problèmes, puis on... Je pense que ça explique aussi beaucoup le virage sociétal du débat politique aujourd'hui, parce que les questions sociétales peuvent faire l'objet d'actions beaucoup plus immédiates. De travailler sur les... Et je les minimise pas, c'est des questions éminentes, sur le sexisme, sur le racisme, sur... c'est à notre portée parce que ça se passe autour de nous. On s'est rabattu sur des enjeux qui semblent à notre portée, alors que ceux qui nous échappent, comme il y a quelque chose d'utopique à les aborder, on finit par les délaisser, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui joue. Donc il y a cette question-là que, à un moment donné, j'ai développée en guise de dialogue dans les conférences que je faisais. Puis maintenant, j'en suis plus à me dire, depuis que
depuis qu'on a voté au Québec pour les libéraux, puis pour des libéraux bis, là, que sont les ceux qui caquettent, Trump aux États-Unis, Macron en France, Ford qui a promis la bière à 1$, puis la baisse du prix de l'essence, Higgs au Nouveau-Brunswick qui milite pour l'oléoduc parce qu'il est... un ancien employé d'Irving, quoi, d'une certaine façon toujours employé par lui. Donc, on a là plus l'extrême droite qui monte en France. Oui, ça sent bien la catastrophe. En Europe, là. On va être dans toute l'Europe. Ouais. Là, je suis en train de me dire, ben, la fenêtre d'opportunité, là, la marge de manœuvre pour éviter la catastrophe se rétrécit dangereusement. Ouais. Et si on est un peu lucide, on va se dire, ben, nous sommes... une collectivité qui a à moitié choisi, à moitié dérapé de telle façon qu'elle n'évitera pas le mur. Ouais. Bon, on n'évitera pas le mur. À part, si la tendance se maintient, comme disait l'autre, là, là moi, je vais me dire, ben, on veut la catastrophe, on court au-devant. On l'aura. Bon, on va se fracasser la gueule contre le mur parce que c'est vers là que tout tend. Et donc, on a beau avoir des options qui sont perfectibles, mais qui restent quand même concrètes. Québec solidaire, le militantisme syndical, la radicalisation des discours, les exigences. Ces options-là ne sont levées qu'à la marge. Donc globalement, la conjoncture, la synergie nous amène à nous fracasser la gueule contre un mur qui va supposer des grandes mutations et des grandes souffrances, d'autant plus qu'on n'aura pas pris la mesure du problème qui s'annonce. Il n'y aura pas de coussin gonflable qui va sortir. Non. Je pense qu'il va être en panne, quoi. Ouais. Donc, bon, moi, pour ma part, là, c'est une réflexion que j'ai là maintenant, là, ces temps-ci. J'en suis à écrire, à faire de mes recherches, ma méditation, mes lectures, en fonction d'un après. Donc, j'ai l'impression de me dire, bon, mais quand ça sera arrivé, ça, c'est un gros choc. Parce que là, c'est pas un effondrement dans le sens de quelque chose de projectif. Moi, je pense qu'on est plutôt dans une érosion exponentielle. Donc, c'est déjà, tout s'effrite, tout est friable. Mais c'est exponentiel. Plus ça s'effrite, plus ça s'effrite. Et plus ça s'effrite vite, plus on est ça à craquer. Là. Ouais, c'est ouais. Il va y avoir des pans entiers de l'organisation sociale qui sont dysfonctionnels. Quand les insectes vont avoir disparu, quand la chaîne alimentaire va être bousculée, qu'il va y avoir une crise pétrolière en même temps qu'un taré comme Trump qui, tout d'un coup, joue avec ses gros jouets, là, puis bon, et je ne sais trop quoi. Il y aura vraiment une forme, vraiment des vides qui vont apparaître, des dysfonctionnements majeurs. Et donc, j'en suis à réfléchir déjà aux notions, aux concepts, aux idées qu'il faudra faire nôtres à ce moment-là. C'est là que j'en suis... Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'en suis à dire, ben là, on peut essayer on peut plus sauver les meubles tant de, que ça, de penser en termes de chance. En quoi ce qui s'annonce sera une chance pour éviter que des fascistes prennent toute la place? Ouais. En quoi on peut déjà espérer que sur un plan intellectuel qui absolument important parce que c'est par rapport à ce qu'on a dans la tête qu'on agit, là, c'est pas banal là, les idées, en fonction de quelle idée on peut susciter un agir collectif, probablement à de nouvelles échelles plus petites et plus démocratiques aussi, j'espère. Est-ce que tu as lu le livre Le champignon de la fin du monde? C'est un livre, ça parle des champignons Matsutake. Les champignons Matsutake, c'est les premiers à pousser, ça pousse dans les ruines, finalement. Donc, mettons, Hiroshima, quand tout a été détruit, ça a été les premiers champignons à pousser. Fait que ce livre-là, finalement, nous dit que les ruines, c'est déjà là. On est déjà dans les ruines. Ben, donc, soyez les champignons qui poussent dans les ruines et trouvez des moyens de collaboration puis tout ça pour vous adapter à ces ruines-là. Parce que vous dire qu'il n'y aura pas ces ruines-là, ça ne vous sert pas. Vous êtes en train d'être dans le déni. Vous êtes dans le déni de la réalité, donc il faut être... En tout cas, elle s'annonce. Moi, pour ma part, le concept central qui m'intéresse, c'est celui d'économie, en m'assurant de l'affranchir de la façon dont les idéologues du capitalisme l'ont dévoyé, en rappelant ce qu'a été dans l'histoire de l'économie. Vous savez qu'en parlant, avant de parler d'écologie, on disait l'économie de la nature. L'économie est un terme extrêmement polysémique. Ouais. Un des termes les plus polysémiques de notre langue. C'est sans jeu de mots, c'est un terme riche. Ouais. Et j'essaie de le restaurer dans tout, parce que je pense que ce mot-là sera important quand viendra le temps de le réinvestir autrement que dans des sphères capitalistes dont on aura compris qu'elles ne sont pas viables, quoi.
Hey, merci énormément, merci. Alain. C'était vraiment intéressant. C'est un honneur de vous avoir reçu. Merci beaucoup. J'ai essayé de vous tutoyer tout le long, mais je suis revenu au bout. Trop de respect. Merci beaucoup. Merci.